Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Bon, arrêtez. Arrête. On va faire évacuer la salle, hein. Arrêtez. Stop. C'est fini, bonsoir. J'espère que tout va bien. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue dans une émission pleine d'amour. Une émission pleine de romantisme. Toi, tu pètes la classe, hein. La méthode Coé. Ouais. Oui, j'ai décidé ce soir de tout baser sur la séduction. Il y a du boulot, hein. Oui, on n'est pas arrivé, moi, je vous le dis. Oui, comme il y a dans un instant Penelope Cruz et Salma Hayek qui sont nos invités. Enfin, on m'a dit, rentre avec un micro, c'est mieux. Sans, c'est bien aussi. On m'a dit la veste, c'est top. Ouais. C'est peut-être un chien. C'est top, mais ça dépend sur qui aussi, hein. Non. Regardez cette tête de séducteur. Non, le doigt, pas dans la bouche, le doigt. Ça fait pas le mec qui se la pète un peu trop, là? Bah, vu comme ça... Vaut mieux que je reste sobre. Hein. Ouais, modeste. Classe, sinon, non? Ouais, classe, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. J'aime bien, moi. J'aime bien. C'est sympa. Ne change rien. Avant d'accueillir nos deux invités dans un instant, je vous demande de faire un triomphe. C'est la première fois dans l'émission, je suis ravi qu'elle soit là. Elle est avec un très très beau film, vraiment, vrai de vrai. Je vous demande d'applaudir très fort Isabelle Mergaux. C'est également leur première fois. J'essaierai d'y aller en douceur. Avec beaucoup d'amour, je vous jure. Ça fait piquer les yeux, vous avez attention, non. Attention au préliminaire, ça c'est très important. Je serai très fort en préliminaire. Je vous demande de faire un triomphe à Cadéo, qui sont avec nous. C'est la soirée des premières fois. C'est également la première fois. C'est vrai, hein? Je vous demande d'applaudir très fort. Commençons par la demoiselle. Enfin, vous les avez vus, entre autres, dans une famille formidable il n'y a pas longtemps sur TF1. Jennifer Lauré et Roméo Sarfati. Tout à l'heure avec nous, il y aura... Ah oui, il sera là aussi. Il y aura Anthony Cavala qui sera là. Dans un instant, elles sont là. Ah bah oui, mais trop petit le fauteuil. Ah oui. Très bien. Qu'à cela ne tienne. Non. Attention pour un plus grand fauteuil. Hop. Ah. Ça, c'est du canapé, hein. Ça donne envie de se jeter dedans. Ça, c'est du canapé, hein. Mais je demande d'applaudir très très fort les deux jeunes femmes qui sont dans un film qui va être un film qui va cartonner, c'est tout ce que nous souhaitons. Le retour du western, comme ça fait peut-être longtemps que vous n'en avez jamais vu. Elles sont avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qui est pas ça? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Ah, Luc. Oh là là. C'est interdit de venir sur un plateau sans dire bonjour, monsieur Besson. Luc Besson. Ça porte malheur pour les centaines d'années à venir. Bon bah ça va, ce bisou compte alors. Je vous demande de faire un triomphe, s'il vous plaît. À Salma Hayek et la très magnifique aussi jolie Penelope Cruz. Pendant quelques secondes, elles m'ont proposé de m'asseoir entre au les milieu. Deux. Et que mon cerveau n'a pas fait tilt. J'ai dit non, ma place est là. Pourquoi j'ai dit ma place est là? Pourquoi j'ai pas dit oui, bien sûr, je vais venir entre vous deux? Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est mon esprit faible. Welcome on my show. I'm very happy to see you tonight. Thank you. We're very happy to be here. Vous avez vu cet anglais un peu de... Merci. On est ravis aussi. Ah non, mais je... Bon, et alors... l'espagnol, comment est l'espagnol? Sí. L'espagnol. Sí. Sí. La cuenta, por favor. Ouais. Ça veut dire l'addition. C'est tout ce que... Yo te quiero mucho. Yo, that's a good one. Yo te quiero mucho.
Gracias. Nosotras también te queremos. Je veux dire quoi? You just said, would you marry me? And we said yes. Vous venez de dire, voulez-vous m'épouser? Et nous vous avons répondu oui, toutes les deux. L'émission est terminée! Oh là là, je le crois pas. En tout cas, il y a, vous pouvez applaudir le 18 janvier, un film qu'il faut absolument aller voir, Bandidas! Là, c'est la bande originale du film. C'est une furie, vous découvrirez un extrait dans un instant du film. Scénario de notre camarade, et c'est pour ça que vous l'avez entrevu tout à l'heure, scénario de notre camarade Luc Besson, sur une idée entre autres originale de Luc Besson. C'est original, pourquoi cette collaboration avec Luc? Oh, I've worked with Luc before. En fait, j'avais déjà travaillé avec Luc il y a quelques années, dans un film français, Fanfan la Tulipe. Et j'avais adoré travailler avec lui, et en fait, c'est devenu un ami. Et puis ensuite, il y a cette fille là, qui est mon amie depuis des années et des années. Et on se disait, il faudrait qu'on travaille ensemble, il faut qu'on trouve le bon projet. Et puis un matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Luc, on était en train de travailler sur Fanfan. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Vous me faites rire. Bref, je disais, qu'est-ce que tu dirais de faire un film pour Salma et pour moi? Yes, et il a dit, dans 3 mois, tu auras un projet, un scénario. Et je me suis dit, bon, il va oublier probablement. Et 3 mois plus tard, effectivement, il avait sa première version. Très vite, très bien, très bon français. Et donc on en reparlera dans un instant, puisque vous verrez les premières images avant d'aller au cinéma. Mais est-ce que je pourrais, juste une petite chose avant qu'on aille plus loin, qu'on essaie d'en savoir plus sur vous. Ça y est, c'est parti. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir 30 secondes de bonheur et juste vous regarder pendant 30 secondes, ici, dans ce fauteuil, à côté de moi. Alors, vous avez également le droit de me regarder. Hein. Ça marche dans les... Ça marche en vous dans mouillant les lèvres. Hein. Mais c'est juste comme ça, ça me fait plaisir. Ça vous dérange pas? Non, c'est bien. C'est mon cadeau de Noël, pour moi, que je me fais à moi. Elle se mouille les lèvres, toi. Mais dis donc, Cécile. Alors, attention, juste je vous regarde. Hein. C'est juste 30 secondes. Chrono. Fernanda, vamos. Just so you can see better. Ça ferait pas pour la promo. Il reste 7 secondes. Ah bah, ça s'écrit, ils ont oublié le texte. 10, 9, 8, 7. Oh merci. J'ai jamais d'accord. Maintenant, oui. Moi, je vois bien une bonne choucroute. Comment vous avez su pour savoir ce que je pensais? Oh là là, écoutez, je peux arrêter ma carrière d'animateur télé. Je suis au top. Cécile, une ou deux petites choses avant qu'on parle du film? Oui, j'ai lu dans la presse que vous aviez été piégée, en fait, une sorte de caméra cachée dans les toilettes d'un restaurant. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Yes, this one here. Oui, en fait, c'est elle. Did a joke on me and I elle m'a fait une blague. Moi, j'étais pas au courant. And, she invited me to dinner and elle m'a invité à dîner et je suis venue et elle m'a suggéré d'aller aux toilettes pour voir quelque chose. Enfin, je peux pas vous expliquer, il faudrait le voir parce que si je vous explique, c'est franchement, ça ne sera pas drôle, c'est dégoûtant. C'est quand même drôle. En fait, il y avait une grande scène dans les toilettes. Un caca. Un caca, oui. Caca is international. Caca, c'est international. Oh, je peux parler tout le temps. Big one. So I have to make her believe. Quelque chose de très gros dans les toilettes. C'est comme si je tirais la chasse et que tout tombait en morceaux. Ils ont dit que c'était moi. Et ils ont dit que c'était de ma faute. Et le pire, c'est que c'était du chocolat. Et moi, je sentais. Alors qu'en fait, c'était du chocolat, mais dans ma tête, c'était devenu quelque chose d'épouvantable. Et on m'a dit qu'on allait m'emprisonner parce que c'était dégoûtant, il y en avait partout. Et moi, j'étais au bord des larmes. Et puis après, on m'a dit que c'était une farce et franchement, j'ai failli la... Je sais qu'il va falloir que je paye un jour ou l'autre. Alors,
Alors que Cécile nous fait ça chaque semaine, mais c'est pas une blague. Chaque semaine, on est... Non, mais ça, c'est... Faut venir plus souvent pour comprendre. Alors... Ça fait des années que je travaille mon image, merci. Eh oui, c'est mort. Alors, Salma, rapidement, pour cerner, tu es d'origine libanaise par ton papa et mexicaine par ta maman. Yes. C'est ça? Oui. Et Penol... Spanish from my mother. Espagnol, en fait, par ma mère. D'accord. Et Penelope, espagnol, tout simplement. Espagnol. Comment on passe du Mexique ou de l'Espagne à Hollywood? C'est un petit peu... Salma, le passage s'effectue comment? En train. C'est ma meilleure blague. J'adore cette... Un avion, bien sûr. C'est le plus con aussi. Faut prendre un avion. Elle a les mêmes vannes que moi, c'est énorme. Oui, mais avant. C'est... Non, plus cher surtout, parce que moi j'avais dit en train. Est-ce que vous parlez français? Oui. Oui. Et j'ai étudié 8 ans, mais je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Parce que je dois pratiquer. C'est pas mal. Salma, vous parlez français? Non. Si, habla un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, nous allons faire une expérience. Nous allons faire une expérience pour voir si votre français est très bon. Alors, le principe est simple. Je vous dis des phrases, à vous, les yeux dans les yeux, en français. Et vous devez me dire si c'est romantique ou pas. Okay. Attention. Je vous trouve vraiment magnifique. Romantique, magnifique. C'est romantique. Ah. Magnifico, magnifique. Attendez, ça se gâte. J'adore manger mes Mickey. Ok. Mes Mickey. J'adore romantique, mais mes Mickey. Très bien. Qu'est-ce que c'est mes Mickey? Bah, tu leur expliques pas. Ah ben... Explique. Vas-y, explique-leur maintenant. Cad, comment expliquerais-tu des Mickey? Alguna guarrería. Explain the Mickey. The crowd of the nose. What? The crowd of the nose. The caca of the nose. Booger. Yeah. Booger. Yeah. Okay. You love eating booger? No. Il trouve ça sexy. It's too Frenchy. Des fois quand je suis tout seul dans la voiture. Vous êtes belle comme le jour. Oh, bonito. C'est romantique ou pas? C'est romantique. It depends on the jour. Ça dépend du jour. Si c'est un jour sans ou un jour avec. Non, mais c'était romantique. C'est con, mais les oignons, je les digère pas. Oignons? Les oignons? Je les mangeais? Non. Non, oui, c'est les oignons. Ça n'est pas... Le week-end, j'adore faire des chapes en béton et du carrelage. Le week-end, j'adore faire des chapes en béton et du carrelage. Je ne comprends pas. Non, funny, but not romantic. Drôle, mais pas romantique. Absolument. Ouais, c'est ça. Bravo, vraiment, bravo. Avant de voir les images, vous allez voir découvrir ce film qui est un événement. C'est le retour des westerns avec en plus plein d'humour à l'intérieur et des scènes de baisers. Je vous en reparlerai tout à l'heure, qui sont surréalistes dans le film Bandida sorti le 18 janvier. Ouais, allez, on le fait. Très jolie scène de baisers. Mais alors, je voulais vous poser cette question. Vous êtes rendu compte quand que vous étiez de le symbole pour plein de gens de bombe latine? Parce que dans le monde entier, vous savez que quand même vous faites fantasmer des tas de gens. Vous le savez ou pas? Just now. C'est maintenant qu'on s'en rend compte. Venez nous le dire. Je vous l'annonce, c'est ce soir. Je vous l'annonce. Est-ce que c'est un mythe que vous entretenez, ça, de ce qui peut être quelque chose qu'on contrôle ou pas, d'une espèce de fantasme vivant, ou alors vous vous en fichez, vous faites les films que vous voulez, vous êtes comme vous le sentez? I think that oui, that, moi, il me semble that que is something that, c'est une chose qui other people decide. Que d'autres perçoivent ou décident. We just try to have fun nous, on veut juste s'amuser. On essaie de prendre du plaisir dans notre travail, dans notre vie, and whatever the profiter de notre jeunesse. Et la perception que les autres peuvent avoir de nous, ça ne nous concerne pas. Mais bon, ça peut nous flatter. Est-ce que ça vous fait plaisir ou ça vous rend mal à l'aise? I don't mind at all. No, and I think we have a lot of fun. With that in this movie. Ça me gêne pas du tout. Sort of ça nous amuse. A little bit of fun of it on peut en profiter. D'ailleurs, on en rit un peu dans ce film. Il faut prendre ça avec du recul. Il faut pas se prendre trop au sérieux. Enfin, ça serait en même temps un peu idiot de le prendre mal. C'est quand même pas une mauvaise chose de s'entendre dire cette chose. Et alors, le 18 sort sur tous les écrans ce film événement. Quand je vous disais qu'il y avait des baisers, on en reparlera de cette séquence de cascade des baisers très important. Ça s'appelle Bandida. C'est au cinéma le 18, regardez. Bah non, chez vous à la maison, regardez.
1980, dans un Mexique dominé par le pouvoir de l'argent. Fermez ça à double tour. Quand une paysanne déterminée rencontre une riche héritière, cela crée une douce, une tendre, une relation passionnante et très intéressante. On était en train de débattre sur les différentes théories économiques de la répartition des richesses. Et quand la soif de justice les réunit à nouveau, découvrez. Que vous faites ? Señoritas. C'est la banque de mon père. C'est la banque de mon père. Señoritas. Quoi ? Le duo le plus explosif jamais vu. Bandidas. Mon art pour tout le monde. Bandidas. Penelope Cruz, Salma Hayek, un tandem féminin époustouflant. Hola. Maîtresse de toutes les situations. Main en l'air. En bas. Hey. En l'air. En bas. En l'air. En bas. Habile. Au pistolet. Au couteau. Pas mal du tout. Et experte. En séduction. Ouais. Leur secret. Embrasse-le. L'art du baiser. Elle est vraiment bouleversée. Bandidas. Ces filles peuvent frapper n'importe où et n'importe quand. Souriez. Ça, je sais pas nager. Steve Zahn, Dwight Yoakam, Sam Shepard. Si je dis pas de bêtises. La musique du film, ça sort le 18. En tout cas, moi, je vous ai trouvé super physique, super drôle et alors très sensuel. Je vous le dis en face, mais... Merci. Dites-le à tout le monde. Hein, regardez, ça tombe bien. C'est ce que je suis en train de faire. En gros, avant, je voudrais quand même aussi essayer de savoir laquelle des deux est différente. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, très rapidement, un petit peu comme dans les westerns, il y avait ce film qui s'appelait Il était une fois dans l'Ouest. Je vous pose une question et le principe, c'est simple. Vous me dites si c'est l'une ou l'autre, en fonction des réponses. Il était une fois, dans la méthode Coé, une fille qui était plus timide que l'autre. C'est laquelle des deux, la plus timide ? ¿Quién es más tímida ? D'accord. I say, I am. Ah, ça va ? I am. Non, mettez-vous d'accord. I am. Non, c'est moi. Timida. Amenez la choucroute et un ring, ça a l'air bien parti. Y en la película tampoco. But wait, in live or in the movie ? Non, mais à la vie ou à l'écran ? Live. En la vida tu eres tímida. It's the funniest thing I heard in my life. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Hein. Neither one of us. Bon, ni l'une ni l'autre. D'accord. On n'est pas, pas vraiment timide. On verra ça dans un instant. Oh my God. Il était une fois dans la méthode Coé une fille qui était une vraie gourmande. C'est laquelle des deux? Oh, that's fun. Ah, d'accord. Ah, c'est moi. Non mais je m'y attendais, mais ça peut arriver. Ça me donne faim rien que d'y penser. Mais je vois bien. Il était une fois dans la méthode Coé. Une fille qui dépensait des fortunes en fringues, chaussures et sacs à main. C'est laquelle? Ça c'est elle. La Golée, la Pénélope. Golée. Golée. Il était une fois dans la méthode Coé. Une fille qui a dans sa vie déjà mis une grande baffe à un mec parce qu'il l'avait trompée. C'est laquelle? Ah, d'accord. Oh, les deux. Toutes les deux. Il était une fois dans la méthode Coé. Une fille qui aimait dominer les hommes. Laquelle? Que me miras a mí que... J'adore quand elle parle en espagnol. Un poquito. On adore ça. Un poquito. Un petit peu. But we shouldn't talk about it. De toute façon, on dirait pas le dire. Mais ouais, toutes les fois. Non, pas. Non. D'accord, je comprends. Il était une fois dans la méthode Coé, une fille qui parfois n'aime rien porter sous ses jeans. Voilà. Ok. Ah, franchement, vous me faites rire. Hein. Je ne peux pas vous le dire. Qu'est-ce que vous croyez? Salma, regarde. Salma est à deux doigts de dire moi, hein, mais c'est pas grave.
Il était une fois dans la méthode Coé une fille qui aimait bien jouer avec des menottes, des fois. Laquelle? Non, moi j'ai jamais fait ça. Ah pardon, c'est vous. Autant, non, pardon. Bravo, non, c'est pas pour moi. Cadeau. Cadeau. Autant pour moi. Ça s'est passé. Pénélope, elle a un petit truc, c'est que vous avez un surnom aux États-Unis, on vous appelle P. No, it's like my family nickname. C'est plutôt dans la famille. She called me Pei. Too. My closest friends call me Pei. Parce que en France, c'est pas du tout la même signification. Oui, il vaut mieux pas que ça soit dit en France. Oui. Vas-y, dis-lui, explique-lui, toi. Le Pei. Oui. Le Pei. Le Pei. Oui. Le Pei, c'est-à-dire le Pei, la lettre Pei. Non, bah non. T'es pas dans la merde, non, tiens. Bien sûr. Justement. Si, justement. Non, c'est. Où est le cul? Voilà. Imagination. Nosotros sono nel ristorante alemán, choucrouto. 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 Chilito, choucrouto. En tu mangiato. En el... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je fais ce que je peux. Mais attends, d'accord. C'est la fin d'une carrière, vas-y. Et después... No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Mi cuerpo. ¿Qué? Ahí... Dai hombre en mi cuerpo. ¿Qué pasa en este este gente, el gente de en el corte? Se dice que me quiero sortir prendrá la era. Ah, respirato. Voilà. Ça va? Es pero por ¿entiendes? Aquí, pero por aquí o por dónde? Para por el bar. Bon, ça va. Voilà. Gracias, voilà. Pe. Voilà. Muchas gracias, Pe. Merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Non. J'ai fait ce que j'ai pu. En tant qu'ambassadeur d'Espagne. Non, alors c'est pas ça, mon surnom. Like when you say, tu as pété? Oui, c'est ça. Oh, oui. Ah, mais vous apprenez le français très bravo, vite. Bravo, Salma. Mais en l'occurrence, non. Mais c'est la même oui, chose. Oui, c'est la même chose. Je voudrais prendre des nouvelles du garçon qui est avec vous dans le film, que vous avez quand même embrassé plusieurs fois. Les scènes de répétition ont dû être dures, hein, quand même. Parce que c'est un vrai baiser, hein, c'est pas du baiser simulé. Il est encore en vie, ce garçon? Il est heureux? Il est... He's very happy. Oh, bah, his wife, I hope, it's also et j'espère que sa femme l'est également. But it's somebody mais that we have bon, c'est quelqu'un before, avec qui nous avions déjà travaillé toutes les deux. C'est un grand copain funny. À nous, quelqu'un de formidable et très drôle. Yes. Et alors, good actor. En fait, finalement, je ne dis pas tout, mais dans le film, il aurait du mal à choisir entre vous deux, finalement. Pardon, excusez-moi, je... Pardon, oui, je vous en prie, Jean. Ah, je viens de comprendre. Je il ne voudrait pas comme dans choisir. Le film. Non. I'm sorry, but that's not gonna happen. Ah, désolé. Ouais, deux secondes, on sait jamais, au cas où elle voulait faire une cascade. Strong, non? It's good. I like your show very much, and you're very, very kind. J'adore cette very émission. Vraiment, funny. Vous êtes très sympa, très respectueux et vraiment and très drôle. Et voilà, c'est tout. Ça suffira pour aujourd'hui. Très bien. À gauche, je à me droite, prends mon râteau. Attention. Retournement naturel de vers la droite, comme si j'avais pas pris de râteau à gauche. Attention. Hop. Je vous trouve. Voyons. Je vais attendre que le silence se fasse. Je trouve que vous avez été charmant avec nous et que vous êtes un excellent animateur. Vous êtes gentil, vous êtes romantique. Et toutes ces phrases françaises, ça me fait un effet fou. Voilà. Donc je vais vous embrasser d'une façon, dans un endroit particulièrement sensible. Et je sais où. En la calva. C'est mon endroit qui me suit. Depuis petit, j'ai une malformation, mon zizi, il est là. Tout le monde sait que t'as le sexe dans la tout tête. Tout le monde toi, de sait toute en façon. France que mon zizi est sur ma tête. Il mais a pas de cerveau, il a un sexe. Les gens le savent. Mais oh là là, écoutez, franchement, non mais trêve de plaisanterie, je voudrais qu'un... Oh, peut-on remontrer cette image avant qu'elle ne nous quitte, s'il vous plaît? Juste pour vous dire que le 18, il faut aller les voir. Et notre... Je voudrais faire un bisou à notre camarade Luc, qui est aussi à l'origine de ce film, Luc Besson. Vous pouvez applaudir, qui était là, qui est dans le corps. C'est dans les parages. Bandidas. Allez le voir. Il faut absolument
Come on. Gracias por la traducción en español. Ah, oui. Ah, sí, ah, oui. Muy importante. Yo también gano una cosa. Pero... Il attend, il attend. If you like, here or outside, later. I don't know. Attends, right, peut-on, next, peut-on next revoir door. Les images, yeah. Peut-on revoir les images, s'il vous plaît, les images? Oh, là 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 là. Oh, là 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 là. Regardez mes jambes. Regardez mes... Oh, là là. Eh, eh. Incroyable, incroyable. Alors, ceci dit, non, je suis très embêté parce que je voulais, comme j'étais tout seul, et c'est très embêtant, et c'est pas très galant, c'est pas très français, c'est pas très beau ce que je vous ai fait. Je voudrais donc accueillir quelqu'un qui est une grande star en France, qui est mon frère jumeau. Ça vous dérange pas? Oui. Que je... C'est juste pour qu'on soit deux. Pour que, d'accord, pour qu'on... Je vais... Vous avez deux secondes? Excusez-moi. Appelle-le. Je vais appeler mon frère jumeau. Dubosc. Ah oui, Franck Dubosc, ouais. C'est mon... On est pareil. Hein. Ouais, ouais. Vous ne connaissez pas Franck Dubosc? C'est un ami. Allez voir, je ne sais pas. Très sympa. Allô, bon. Allô Franck? Oui, qui est à l'appareil? C'est Coé. Coé qui? Comment ça va, Franck? Coé. Ouais. L'animateur télé. Le ringard, oui, c'est moi. Oh, ouais. Arrête de déconner, je t'appelle, on est en émission, là. On n'est pas pour... C'est pas de la vague. Ah, t'es en émission? Ouais, ouais, ça va? T'as que ça à foutre. Ça va bien, je sors de ma douche. Il faut que tu viennes. Pourquoi? C'est urgent, faudrait que tu viennes. T'as besoin de tendresse? Non, pas moi. Il faudrait que tu viennes, c'est urgent. Faudrait que tu viennes, dépêche-toi. Si tu pouvais venir. T'as besoin de moi? Oui, viens. Alors j'arrive. J'enfile une veste, je monte dans ma voiture et je suis là. Mais n'importe quoi, il vient. Mais n'importe dépêche-toi. Quoi, il vient. D'accord? Voilà, très bien. Il arrive. Ce Je suis une énorme star en France. Stella, very big. T'as à peine dit bonjour. Hein, laquelle des deux est Isabelle Mergaux? Non. Ah, elle est là. Non, ne passons pas. Bonsoir, bonjour. Alors, bonsoir. Franck. Pardon. Tu m'assois? Je m'appelle Franck Dubosc. Voilà. Salma. Tu sais qui c'est quand même? Mais oui, je sais qui c'est, bien sûr. Ah, voilà. Sinon, j'aurais dit je suis Brad Pitt. How are you? Nice to meet you. Bonjour, nice to meet you. Ah, ça y est, Franck Dubosc. Qu'est-ce que tu voulais? Mon frère jumeau, c'est en... Franck, avant de les laisser partir, French pose. French pose, c'est un petit truc qu'on a entre nous. Je veux dire, je n'ai jamais fait ça à Pénélope. Et... Oui, bon... Non, mais moi j'ai un problème. Mais c'est pas révisé. Je me souviens jamais des prénoms. Je sais que je suis sorti avec les deux. Mais la French pose, c'est. C'est très simple. C'est lorsque, c'est pour lui. Dire au revoir à une dame en France, on la prend par la main et on l'invite à danser. Voilà, hein? Pouf pouf, c'est moi qui, Salma. Shall we dance? Voilà. Okay. Dance? Non, pas de la danse John Travolta, tout ça, de la danse. Un slow. On y va. Yeah. C'est la première fois que tu viens ici? Tu sais que je connais hyper bien Franck Dubosc. Elle répond pas. Salma. Tu sais que je connais hyper bien. Quand tu repartiras aux États-Unis, tu penseras à moi. Tous les jours. Thank you very much. Le 18 janvier, tout le monde va partir voir Bandidas, ce film merveilleux. Qui se passe avec Salma Hayek et Penelope Cruz. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai serré ma main sur la sienne, on était comme ça. J'ai juste fait ça. N'en profite pour pas. Lui montrer qu'il y avait un petit quelque chose qui se passait à l'intérieur. N'en de mon profite cœur. Pas. Je vous demande de faire un triomphe à Penelope Cruz et Salma Hayek. Merci. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Vous merci. C'est pour les copains. Non, pas toi. Yes, yes, yes. Non. Nice to meet you, friend. Hey. Nice to meet you, friend. Au revoir.
déclinée, hein. Au revoir. Si je peux me permettre, je m'en vais. Non, tu restes, Franck. Ah, arrête, laisse tomber. Laisse tomber, je fais pas de promo. Ah bon? Tu veux pas rester? Non. Bon, bah tant pis. Au revoir. Tant pis. T'avais dit, si je dis non, tu insistes un petit peu. Ah oui, non, mais j'ai dit tant pis, là. Non, mais je veux pas. Non, mais t'as dit t'insistes. Ah, tu voulais que j'insiste? Non, parce que tu me disais. D'accord, refais-le. Non, je suis désolé, je fais pas de promo, c'est pas mon truc. Oh, attends, d'accord. Ah non, pardon. Non, reste. Reste. Oh, Franck, reste. Ah. Franck, 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 reste. Comment tu vas faire? Comment tu vas expliquer aux gens d'avoir dit ces deux plombes? Vas-y. Allez voir Bandidas, le meilleur film en ce moment, c'est drôle. Ça te dérange pas de me cacher là. Et en même temps. Pardon, excuse-moi. Bon, pourquoi on n'a pas un grand fauteuil? Pourquoi on n'a pas des. On n'a pas Luc Besson qui est là? Pourquoi tu t'habilles pas bien? Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon t-shirt? Il est sympa. Je sens que ça va être la guerre, ça va être la guerre. Le 18 janvier sort un ticket pour l'espace que vous pouvez applaudir. Donc sur le 18 janvier. J'aime bien cette tête, non? Elle est bien celle-là ou pas pour le film? J'adore! C'est ta tête que je préfère. Elle est super rondeuse. Oh là là là. C'est ça, c'est la tête. C'est ça la méthode Coé. C'est la tête du caca. Ça vu, hein. On en dit des trucs et tout. Ouais, j'ai des potes qui ont fait l'émission, ils disent, tu vas voir, c'est classe et tout, c'est canon, machin. Ouais. C'est rouge là? Non. Non, non. Bon, vas-y. Non, c'est sympa, en tout cas, c'est sympa. Bon, en attendant, bon, vas-y. Le 18 janvier, donc, sort votre film. Ouais. Cadéo. Pour ceux qui ne savent pas qui est Cad, qui est où? Alors, qui est Cad, qui est où? Moi, j'ai jamais su, même nous, on sait pas. Moi, je sais, je dis ça pour ceux qui sont à la maison. Hein. Non, on nous appelle Cad Olivier, quoi qu'il arrive. Voilà, comme ça, c'est réglé. Moi, quand je suis tout seul, je suis Cad Olivier. Olivier, quand il est tout seul, c'est Cad Olivier. Une fois dans la rue, il y a un mec qui nous a appelé Cadet. Super. Voilà. Cadet. Ouais. Hé, Cadet. Ouais, ouais. Non, Cad et Olivier. Vous êtes rencontrés quand, les gars? 82, tournée manège. Ouais. Ouais. Puis après, on s'est revus dans un hammam à Istanbul. Ouais, voilà. Tout à fait. Et là, ils sont un peu surpris parce que c'est la première fois qu'on leur pose la question, je crois. Ouais. Ouais. Non, je pense. Oh, ce rire est beau aussi. Je pense que. Exactement. Tu sais que t'es le premier mec qui fait le. T'as vu? Ah, c'est bien. Le faux rire. Le faux rire. Mais qu'est-ce que vous mettez dans mon sang là? Parce que je me sens bizarre. Je sais pas. C'est vrai que t'es un brin palo. C'est vrai que tu sais que tu n'avais jamais ri comme ça avant. Ah là là, mais c'est quoi? Enfin, en même temps, le verre sur un plateau, ça porte malheur. Hein. Tu n'avais jamais fait ça. Ça mais porte non, malheur. Mais non, mais non, il paraît que ça porte malheur au film qui sort de porter du verre. Ouais. Non. Regarde, t'as du malheur. Tu veux une chemise? Mais on n'a aucun problème. On pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Tu veux une chemise? Ouais, je veux bien. Ouais, une chemise, ouais. On échange? Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, tu perdrais, je crois. Donc alors, on s'est rencontrés à FM, une radio parisienne, et on a animé une émission qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus, qui est en fait exactement ce que tu fais aujourd'hui, mais il y a 10 ans. Exactement 10 ans à peu près. Mais ça marchait pas, c'est la différence. Ouais. Ça marchait pas, c'était de la radio. C'était de la radio, mais en public, quoi, voilà. C'est très joli, ça. Oui, mais c'est gentil, merci. Oui. Mais je l'ai colorié tout à l'heure. Alors, Olivier, ton truc, c'est la cuisine, je crois, ta maman, puisqu'elle voulait t'orienter cuisinier. Ouais, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais, je ne sais pas. Eh bien, elle m'a dit, tu feras cuisine. Donc, j'ai fait un BEP de cuisine que je n'ai pas eu. Ah. Un CAP de serveur, par contre, que je n'ai pas eu non plus. Et qu'est-ce que tu sais faire? En cuisine? Ouais. Alors, je sais absolument rien faire. Ah, d'accord. Oh, si, c'est pas vrai. Non, mais les trucs classiques, les pâtes, les nouilles pour mes enfants mais non, je suis nul. Les pâtes, les nouilles. Ouais. Il y a une différence entre les pâtes et les nouilles, figure-toi. Parce alors, que quoi, pour faire des pâtes, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Hein. C'est le problème. Avant qu'on parle du film qui sort, il y a eu aussi les choristes pour Cad. Bon, bah, ça, c'était le film avec des cheveux. Oui. C'est vrai. Mais oui. Bon, oui. Mais c'est vrai. Mais j'ai des cheveux, c'est juste que j'ai la capacité de les mettre ou les enlever à ma guise. Non, tu les déplaces. Un jour, tu les mets là. Voilà, là. Non, mais c'est comme les sacoches pour une mobylette. Si tu emportes, tu as besoin d'emporter des affaires, tu mets tes sacoches. Sinon, tu t'allèges. Là, je cours plus vite. Tu comprends? Tu as raison, mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce plan pourri que tu viens de faire là? Oh! Toi et ta caméra, voilà. Fais gaffe. Hein. Bon, par contre, nous voulions te rendre hommage et vous poser des questions. À la manière de ce film, combien ça a fait d'entrée, les choristes?
Je ne sais pas. Un bon 8 millions, non 8, 9, entre 8 et 9. Allez. Ben, c'est pas très important, surtout que le film a bien marché. C'est ce qu'on espère pour un ticket pour l'espace. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, oh, on sera dans ces eaux-là, de toute façon. Ouais. Hein. Même la moitié. Pourquoi vous rigolez? Alors, ben, Isabelle, moitié, tu rigoles. Est-ce qu'on peut savoir si tu as tes sacoches dans un ticket pour l'espace? Oui, j'ai des sacoches dans un ticket pour l'espace. J'ai une belle paire de sacoches. Avant de parler de la belle... Vous verrez la bande-annonce. Avant de parler de la belle grosse paire de sacoches de Kat dans un instant... Kat, détends-toi. Avant tout ça, mais tends ton bras, c'est pas un micro, bordel. Tu parles dedans, quoi. Mais faut pas que... Tout à l'heure, on a l'impression que t'es comme ça, et oui. Mais non, mais faut pas que je tienne pour que ça descende. Mais non, c'est pas un truc pour le sang, c'est pas une personne. C'est fini la radio, hein. Parce que je pense que Kat, il croit qu'il y a quelqu'un au bout qui est relié au sang. Pardon, excuse-moi. Voici les questions pour Kat et Olivier. En hommage, voici, ils ont grandi depuis le film, tu les as connus. Allez, chien, je le sens. Voici les choristes. Faites entrer les choristes. Attention. À toi aussi, tu vas chanter. Cette chanson des choristes est en hommage pour vous. C'est pas les choristes, c'est les curistes là. Attention, hein, faut pas confondre quand même. Mais vous croyez un coup franc d'un match de foot là ou quoi là? Pourquoi? Ils sont tous comme ça. Mais t'as pas un pull, il faudrait que tu mettes un pull. On protège nos sacoches. Attention, la note. Oh, ils ont pas tous leurs sacoches. Non, non. Attention. 3, 4. Dites-moi, Cadéo. Vous vous amusez, mais est-ce qu'il vous arrive des fois de déprimer? Mais est-ce qu'il vous arrive des fois de déprimer? Ah, c'est une question. C'est la question. Qu'est-ce qu'on va dire la suite? On va répondre. Eh bien, mon cher Coé, puisque tu veux savoir, on va te le dire les yeux dans les yeux. Oui, c'est arrivé que l'on déprimait, mais à ce moment-là, on regardait la méthode Coé. À ce moment-là, ouais. Bravo. C'est drôle. 3, 4, Bandidas. Dis-moi, Cadéo, vous êtes attention, Olivier, je le connais, il aime pas quand on touche son corps. C'est vrai, tu as raison, on est un peu gros. C'est pour cette raison qu'on couche avec des animaux. Je sais pas. Alors là, c'est... Non, mais par contre, ce qu'on peut dire vraiment, c'est qu'on a déjà tourné dans un porno japonais. Hein? Non, c'est vrai, mais qui n'a jamais été diffusé en France. Et mais c'était ça... gay. Mais on a la bande-son. On a la bande-son, d'accord. On va te faire juste la bande-son du. D'accord. Alors imaginez, d'accord, on y va. On ferme les yeux. On y va. Oui, c'est ça. Même chez vous, sinon ça marche pas. Hein. Vous allez le faire, hein. Vous fermez les yeux chez vous, hein. Faites-le. C'est bon. Imaginez, on est au Japon. Très bien, écoutez, merci, bravo les gars. Ça marche vraiment, ça. Oui. Sinon, vous avez eu des problèmes avec la loi et l'autorité quand vous étiez jeunes, les gars? Ah. Cad, dans la série Je suis un rebelle, 2 ans à conduire sans permis. Alors, bon. Oh là là. L'alcool. Ce qui m'ennuie dans ce que tu dis, c'est que mon père n'est pas au courant. Ma mère est au courant. Non, mais je déconne pas. Puisque c'est ma mère, en fait,
qui avait une GS Basalt. Je ne sais pas si vous vous rappelez des GS. Oh, la classe. Ouh, oh, la classe, le frimeur. On avait une GS Basalt. Le frimeur. Intérieur en sky. Voilà, avec les petits ailerons à l'arrière qui faisaient en forme de parcelet. Et donc, on arrive à Courchevel, et là, on n'avait pas les chaînes. Ah non, ça, c'est une autre histoire. Et non. Attendez. Oui, non, c'est ça. Non, donc, en fait, ma mère avait une GS Basalt, d'accord. Et quand elle allait faire les courses, elle me laissait conduire. Donc, on prenait la nationale. T'avais quel âge ? J'avais 16 ans. 2 ans avant le permis. 16 ans. C'est moche. Et donc pendant 2 ans, j'ai conduit. Mais mon père n'est pas au courant. Il est toujours pas au courant, mon père. Je vous en supplie. Fermez les yeux chez vous. C'est autre chose. Non, et c'est vrai que... Ils ne regardent pas la télé, de toute façon. Non, ils n'ont pas la télévision. Ils n'ont pas la télévision. Ils n'ont que Antenne 2, c'est tout. Ah bon, voilà. D'accord. C'est con. Et le Minitel. Faudra que je le répète, alors. C'est très con. Ils se butent dans une cabane. Oui, ça va. Dis donc, c'est mes parents, quand même. Non, mais... Ils sont très gentils. Oui, ils sont très sympas. Et c'est vrai que ma mère me laissait conduire la GS et je conduisais. Donc c'est comme ça que j'ai vachement appris à conduire. La voiture qui se levait. Ouais. Oui, exactement, avec la fameuse suspension hydraulique. Quand t'arrêtais la voiture, ça faisait ça. Ouais. Clair, exactement. Reste comme ça, c'est très et bien tu comme démarrais, ça. Ça faisait ça. Voilà, c'est vrai. Tu aimes bien quand je suis en bas? Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Ça me rappelle quelqu'un. Ah oui, excellent. Les grosses têtes. Bon, oui, oui. Et, voilà. Et donc j'ai conduit pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai passé le permis. Ah quand même, et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Et le jour où je passe le permis... Et donc, j'ai le permis, je me fais arrêter par la police. Parce que j'avais pas mis mon 90 à l'arrière. Quelle histoire ! Alors, pendant 2 ans, c'est incroyable, non ? Pas mal, pas mal. Question de Monsieur Coé de Paris. Pourquoi avoir fait ce film, qui a eu l'idée de le faire, etc., etc. Un ticket pour l'espace ? Vas-y, Carlos, réponds. Alors, oui. Non, l'idée nous est venue en lisant un article dans la presse qui parlait des voyages spatiaux. C'est-à-dire que là, il y a Richard Branson qui offre des voyages spatiaux pour 200 000 dollars. Et il y a des milliardaires qui peuvent s'en offrir pour 20 millions, mais... On estime que dans 25-30 ans, on pourra y aller pour pas trop cher. Donc on s'est dit, ben voilà, partons du principe que la France organise un grattage pour envoyer des civils dans l'espace, et puis délirons là-haut. Et évidemment, ça se passe mal dans la station orbitale. Donc c'est l'idée de base, elle est partie d'un article dans la presse. Voilà. Et c'est une comédie. Le deuxième film, le premier, c'était Pamela Rose. Une grosse comédie. La première fois, c'était une parodie de film américain. Ouais, mais ça sort en même temps que Bandidos. Oui, ouais. Bandidas. Bandidas. Toi aussi, tu croyais que c'était des mecs? Parce que de près, avec les... Tu as vu un peu? Non, arrêtez. C'est surtout... La version gay, Bandidos. Je dirais, Olivier, que c'est une grande aventure spatiale. Humaine. Romantique avec un méchant dedans. Il y a Guillaume Canet, il y a André Dufeuillet, il y a Marina Foïs. Il y a Pef, il y a plein de gens et c'est quand même le premier film, je dis pas ça pour nous la péter, mais c'est le premier film français dont l'action principale se passe dans une station orbitale, on est dans l'espace quand même. Je sais pas si vous rendez compte. Ah, mais étant X. Temps X, pardon. C'est vrai. Temps X. Eh bien, regardez chez vous à la maison, ça sort le 18. Absolument, vous allez au cinéma. Regardez, ça s'appelle Un ticket pour l'espace de Canet Olivier. Regardez. La France entière va se passionner pour le ticket pour l'espace. Si vous découvrez 3 navettes, génial. Alors prêt à embarquer ? Si on m'avait dit qu'un jour je jouerais dans un film grec. Oui, bonjour, c'est Claude Lelouch à l'appareil. Tu vois, Isa, t'arrives ? T'as pris la même voix il y a un mois pour faire Luc Besson. J'en ai marre de tes mensonges. Je pars demain matin avec Hugo. Papa, comment tu vas faire tout seul ? Qui seront les deux héros qui iront tutoyer ? Les étoiles. Bonjour, monsieur Yonis. Nous sommes ravis au nom de la France de vous accueillir. Ah, je suppose que vous êtes l'autre gagnant. Vous verrez, je suis un très bon camarade en vacances. Vous aimez la balotte ? Yonis, 12-7. Cardou, 17-2. Désolé, mon vieux. J'ai un petit peu de mal à lever le bras, mais vous pouvez aller plus vite sans problème. La centrifugeuse n'a pas encore démarré, monsieur Cardou. Ok. Ticket ! Vous n'avez pas les capacités. Je m'avais dit que t'allais dans l'espace. Vous pensez qu'en quelques jours, vous allez devenir un héros ? Juste un homme qui veut continuer à faire rêver son petit garçon né grand prématuré à mercredi. Quand je dis que vous ne partez pas, c'est que vous ne partez pas. Vérification croisée du tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Bonjour commandant et bonjour à tout l'équipage. Ouais, c'est Enrico Macias qui nous a prêté sa voix pour l'ordinateur de bord. Messieurs, bienvenue dans notre station orbitale. Comme ça la douche. Monsieur, on a un problème avec la station. J'ai pris le contrôle total de la station. Il a le droit de faire ça, lui? La station orbitale s'écrasera quelque part en France. Je voulais que vous sachiez, si on revient pas, comment ça on va parvenir? Ça m'amuse plus, je veux rentrer maintenant. Je veux voir ma femme et mon fils, ma bataille. Tout est pourri, ma bête! Mais on va se cracher pour le dico. Ça donne pas envie, ça donne pas envie! Moi je dis ça donne envie!
Vas-y, le 18, tout le monde ira le voir, c'est tout. Un ticket pour l'espace, un nouveau film de Cadéo. En attendant, les gars, j'ai vu par contre, toi, t'étais un petit zizi hein, quand il fallait faire un truc. J'avais vu Vie ma vie la dernière fois, là. Dès qu'il y avait un petit truc à faire, genre un petit truc qui se couche, oh non, moi j'ai mal au cœur là-dedans. Un petit peu chochote. Un peu chochotouille hein, sur les bords. Mais c'est parce qu'il veut pas se décoiffer. Tu me parles, j'entends des voix, c'est qui parle. J'ai l'impression d'avoir une abeille autour de moi là. Je pensais que grand gaillard tatoué comme toi. Ah non, mais moi je suis pas du tout ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'est pas du tout. Eh bien, c'est des conneries ça. C'est le moment de savoir si Cadéo sont vraiment amis pour la vie. C'est vraiment le moment de savoir si Cadéo sont comme ça pour la promo de leur film. C'est vraiment le moment de savoir si ça n'est pas un rôle, si ça n'est pas que du business et si vraiment les mecs sont ensemble depuis des années, s'ils sont solidaires. Les gars, est-ce que vous êtes solidaires? Alors, a priori, ça dépend. C'est payé combien déjà? C'est pas payé. Alors, moi, je fais rien qui ne soit pas payé. C'est payé. Hein. C'est bien français ou ça? Les gars, venez. Oui. Olivier, suivez-moi, CAD, enlevez ce truc. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu. Olivier! Non, non. Allez, allez! Ah non, mais moi, vous rigolez ou quoi? Olivier! Le principe, prenez place, je vous en prie. Une équipe de professionnels. Le principe est simple. Ah oui, j'ai compris. Ah, maman! Je te pose des questions. C'est bon. Ça, j'aime bien en fait. Ah, c'est ça, t'as vu, hein? C'est un bon truc de salaud. D'accord. Je te pose des questions. Si tu as la bonne réponse, tout va bien pour Olivier. Tout marche bien si avec. Si tu n'as pas la bonne réponse, Olivier fera 30 secondes de ce petit entraînement pour l'espace. Non, pas 30 secondes. Si, ça va vite. Ouais. Attention, CAD, sur quel astre se trouve une navette qui est en train d'allunir? Quoi? Une navette qui est en train d'allunir. On va sur la Lune. Bonne réponse, il ne tourne pas, tout va bien. Ouf! CAD. Combien y a-t-il de satellites naturels autour de Mercure? Oh putain! Combien y a-t-il de satellites? Vous pouvez répondre autour de la table, hein, Franck, Isabelle, si vous avez la réponse. Combien y a-t-il de satellites? Jennifer, Roméo, à tout moment. Putain, je le savais. Combien y a-t-il de satellites naturels autour de Mercure? Je le savais en plus. Combien y a-t-il? Olivier, à table! En 4? C'est 0. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Pourquoi il n'y a pas de satellite naturel autour de Mercure. Donc 30 secondes, s'il vous plaît, mais allez-y franchement, parce que sinon on ne se rend pas compte. Hein. Voilà, très bien. Ouh là là, mais lui, attends, mais vous ne vous rendez pas compte. Non, c'est, lui, c'est Nicolas Hulot, lui. Il n'y a pas de problème. Très bien. C'est bon, 30 secondes, bien. Ça va. Très bien, très bien. Cal, pendant ce temps-là. Après, on prend le train pour Lille, alors doucement. Arrête, Olivier. Vous pouvez l'arrêter. Attention, CAD. De quoi se compose la planète Saturne? Le gaz, la composition du gaz. Le gaz saturnique. Oui. Non, 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Allez, on y retourne. Allez, c'est parti. Ah si. Oh là, oulala. Oh, ça commence à devenir dur. Vous êtes malade ou quoi? Là, c'est dur. Arrêtez. La question est en train de perdre, Olivier. Stop. Olivier, ça va, Olivier? CAD, ça fait de l'air d'ici. CAD, tout repose sur toi, CAD. Attends, t'es d'accord que je peux pas répondre? Oui, je suis d'accord avec toi. CAD, on ne s'arrête pas. La dernière question. Vas-y. CAD. L'estomac de ton ami est en jeu. Non, elle est en miettes, là. Attention. Non, ça va. Elle est très facile. Combien de kilomètres parcourt la lumière en une seconde et 28 centièmes? Ah non, 28 centièmes, il peut pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, là? Qu'est-ce qu'il cherche, au juste? Il veut te voir vomir, c'est ça? 300 000. Qui te l'a dit? Personne. C'est 384 000. Oui, c'est ça. À peu près. Non, c'est perdu. Oh non. Non, le à peu près n'existe pas. Le à peu près n'existe pas. Pas de à peu près, monsieur, dans cette émission. Oh, c'est dur, hein. Olivier, un témoignage en direct? Eh bien, écoutez, là, je suis donc au bord de la gerbe. C'est absolument merveilleux. Mais ça ne sortira pas. Stop. Je t'ai engagé dans la gueule. Allez. On est en train de le perdre. Les médecins nous disent Qu'est-ce que c'est que cette vis? Mais là j'ai pris des jets là. Tu sens, tu prends des jets. Ah là tu prends. Ah oui, c'est... Attends. Ça va, sans problème. Sans problème. Très bien. Eh bien, ticket pour l'espace sans donc le 18 janvier. Bravo. Attendez, pardon, un détail. Je suis comme lui, j'ai la gerbe. Je suis comme CAD. Non, mais moi, j'ai pas la gerbe, moi. Allez, tu montes. C'est pas ça le problème. Allez, monte. Je te dirai. Un conseil, tu fermes les yeux. Et CAD, tu réponds aux questions. Okay. Non, oh. Ah non, ah, c'est moi qui réponds aux questions. Non, mais toi aussi, tu vas sentir léger, mais sur ta chemise. Non, tu vas sûrement répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Léger, vous êtes sur ta chemise, tu vas voir. Mais j'ai pas compris. Bon, une tête de mec rassuré avant de partir.
Voilà. Photographier la tête du mec sûr de lui. Comment ça s'appelle ça? Et... oh. Attends, tu as mangé ce midi? Dis-moi, Franck. Ne me dis pas quoi, on va deviner. Je ne te dis. Mais puis-je te dire quelque chose, Franck, d'ami à ami? Ne touche pas cette putain de machine avec tes doigts. Allez, tu laisses faire le monsieur, tu l'enlèves. Oh, d'accord. Oh, non, tu... Donc je pose une question à Cad. Cad, combien Coé a-t-il exactement de cheveux sur la tête? Oh putain, la question enculée. J'ai déjà la gerbe, on n'est pas parti, j'ai la gerbe. Je sais pas, 4. Doucement. C'était 5. Non, non, c'est 4, bête. Non, c'est 4. Allez-y, monsieur. Ça donne envie de récupérer ses cheveux, hein? Oh la vache, il a pas l'air bien, là. Il a pas l'air bien. C'est le moment de prendre sa place. Salut, c'est la méthode CAD. Voilà, tout de suite, le maillot en femme. Cécile. Voilà, Cécile Pénichon. Une anecdote. Franck, une anecdote. Non, Cécile. Je crois qu'il est pas bien, là. Je crois que je vais lâcher un arbre. Est-ce que quelqu'un... je veux... Non, ça va très très bien, ça va très très bien. Je voudrais donc, Oh là là, le pauvre. Je voudrais donc rappeler qu'il faut aller voir le 18 janvier un ticket pour l'espace et faire un triomphe à Cadet Olivier qui est avec nous ce soir. Merci. Ça va aller très très bien, ça va aller très très bien. Franck, viens dans ce fauteuil tout de suite. Franck Dubosc qui est dans le fauteuil immédiatement. Viens là tout de suite. Le temps. Ça va mon Franck? Tu t'es habillé classe pour Pénélope Cruz et Salma Hayek? Costume à 50 euros. Ouais, et ben n'avouche pas parce que je pense que si on n'envoie pas la pub tout de suite, je vais te vomir dessus. Donc, sincèrement, je le. Je crois qu'on va envoyer la pub. Oui, c'est bien. Reste avec nous pour la suite avec Franck et tout le monde. Reste avec nous, c'est bien. C'est bien. Dans quelques minutes. En attendant, ils doivent nous quitter. Un ticket pour l'espace et sur tous les écrans. Il a mis. Regardez, regardez cette magnifique veste moche sur ce t-shirt horrible. Regardez, regardez à quel point la mode n'est pas passée par lui cette année. Regardez, regardez. Cad est le seul homme qui fuit la mode. Regardez, regardez. Et la mode le fuit. Regardez, regardez. Une veste aussi informe n'était pas sortie depuis très longtemps. Et pourtant, regardez. Ah, c'est mieux quand il l'enlève. Oui, 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 oui. Oui, absolument. Sur 2-3 pas de mannequin, il nous quitte, Cadet Olivier, le 18 janvier au cinéma dans un ticket pour l'espace. On va en mettre, à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao les gars, au revoir. Rentrez bien. Au revoir, à bientôt. Je demande d'applaudir celui, en revanche, qui s'était fait beau. Je l'ai appelé. Si vous avez raté le début de l'émission, vous avez raté un grand moment. Il y avait, bon, deux petites jeunes filles, Pénélope Cruz et Salma Hayek. T'es sous ma douche, tu m'as appelé pour t'aider à venir draguer les Espagnols. Je t'ai dit, passe un truc rapide, ce que t'as sous la main. Hein? Ce que j'ai sous la main, j'ai mis mon smoking. Enfin, mon smoking. Eh, c'est pas la classe. Franck Dubosc. Alors, avant de parler de l'actualité chargée... Non, ça c'est moi, ça c'est moi. Arrête. Non, je sais qu'Isabelle aime quand je mets mon beau costume. Ouais. Je me suis saigné pour acheter ce beau costume et je sais qu'elle l'aime. C'est un peu pour toi que je l'ai. Je te préfère nu. Et ben moi qui suis un petit gros, mais gourgandine. Et un petit gros nu. C'est sympa. Pourquoi pas, c'est rigolo. C'est rigolo, petit gros nu. Ça fait marrer, on dirait un ninja d'un poil. Ça fait marrer. Bon, en attendant, avant de parler de l'actu de Franck, puisque Franck, oulalalala, alors attention, tu vas dormir cette année ou pas? Du 14 au 29 janvier 2006, ça s'applaudit au Palais des Sports avec le spectacle romantique en tournée dans toute la France jusqu'à fin avril 2006. On reviendra sur toutes les dates puisqu'il est certainement à côté de chez vous.
Et alors, on a encore un petit peu le temps, mais faudra pas, faudra guetter Camping. Ça sort le 26 avril de Fabien Tonente avec Gérard Lanvin, toi forcément, Mathilde Seigné et plein de camarades qui sont, que l'on connaît dedans et qu'on aime beaucoup. Claude Brasseur. On en reparlera. Sinon, Cécile, des petites choses? Bah, une histoire pas commune pour Franck. Alors bon, c'est pas vrai. Si, un truc un peu étonnant. Tu aurais été pris en otage, Franck. Est-ce que tu te souviens de cette histoire? Un moment difficile d'émotion. Oui, j'ai été pris en otage... Quoi? Au Texas. Ma fiche dit que c'est, c'était pas au, au Texas, mais... Non, tu as raison, à Cergy Pontoise. Voilà. Laisse rêver un peu le public. Ouais. En fait, j'allais dans une banque pour retirer de l'argent. Tu vis comme tout le monde? Je vis comme tout le monde, je suis pas comme tout le monde. Et donc je rentre dans cette banque, et là, je te jure, qu'est-ce que j'entends? Oh les mains, c'est un hold-up! Je te jure, là, j'obtempère. Alors, enfin, je peux pas penser à ce moment-là tout de suite, hein, c'est pas le mot auquel tu penses quand... Donc je lève les mains, et là, Mickey s'approche de moi. Ils avaient des masques, des professionnels. Ah, j'ai eu peur. Et je le regarde, le stress, la chaleur, je lui dis « Je fais un café, quelqu'un en veut ?» Et là, il me dit « Ta gueule ». Il s'approche de moi et il me dit « On va te mettre une grenade dans la bouche, un bâton de dynamite dans l'anus, on va t'accrocher à la porte du coffre et si on nous donne pas la combinaison, on allume la mèche et tu fais la clé géante. » Je leur dis, on pourrait tirer au sort, on est 10, pourquoi moi? Ou alors, prenez un enfant, il se rendra pas compte. Enfin, c'est vrai, sans rire. Et là, tout à coup, du coin de l'œil, qu'est-ce que je vois? Le GIGN. Le GIGN. Ah, le GIGN. Du coin de l'œil. Les gars du GIGN. Alors, tout à coup, je dis, hey, oh, on est là! Je crie, moi. Et le mec, chut. Donc, tout à coup, on est resté à peu près 30 secondes, tous comme ça, sans bouger. Les mecs du GIGN sont entrés, du GIGN, sont entrés dans la banque. Ils ont fait un massacre. Non. Ah, les masques sont pas récupérables, j'ai voulu à un moment donné, je te jure. Ils nous ont sauvés de la situation. Et le plus drôle, c'est que c'est à un moment donné, donc moi j'avais mon bâton de dynamite dans l'anus. Toujours. Tout a été réglé. Non mais avant, tout a été... Et c'est au moment où je suis parti que là, il y a le capitaine du GIGN. GIGN. Qui me dit, monsieur Dubosc, je me retourne, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, vous oubliez le bâton de dynamite. Et ce qui est terrible, c'est que c'est comme les tongs. Au début, t'as du mal à marcher avec, et puis après, tu t'y fais, en fait. Ouais. Alors, attends, pardon, c'est pas tout à fait vrai, hein. Il y a deux, trois petites erreurs. Enfin... Oui, ouais. Non, mais parce que je romance un peu, c'est pas un bâton dynamite, c'est un bazooka. Ah. ça brûle, hein. Ça pique. Ça fait par contre, dans la bouche, c'était vraiment une grenade qu'on m'a mis, et je l'ai avalée. Non. Et oui, et maintenant... quand je pète, je sursaute. C'est mon gros problème. C'est cette anecdote-là dont tu voulais que je parle. Exactement, merci beaucoup. Écoute, alors là, c'est la meilleure de l'année. C'est ça. La meilleure de l'année. Ouais. L'année n'a que 15 jours, mais c'est quand même la meilleure. Alors là... J'ai travaillé pour l'avoir. J'ai fait énormément de recherches. Beaucoup d'investigations. Un jour, on va me sortir la fois où je me suis fait arrêter par le FBI à New York. Ça, c'est la prochaine fois que tu viens. Ça viendra la prochaine fois. Bonne année, bonne santé. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2006? Je voudrais rencontrer la femme de ma vie. Oh l'autre, ça y est, il est reparti, ça y est, allez. Écoute-moi, toi qui m'écoutes. Je suis enfin décidé à te trouver. Enfin, à te chercher même. Toi, la femme de ma vie. Et je n'aimerais qu'une chose, c'est moi, être l'homme de ta vie. Alors, je dis pas que c'est toute la vie non plus, attention. Pas non plus. Un petit descriptif de la femme de ta vie? Bourré de pognon. Mmh. Très intelligente, ouais. Très drôle. Si tu as une copine. Très très belle. La femme classique, quoi. Le truc classique, ouais. Quoi. Eh bien, regardez en attendant, vous n'avez jamais vu Franck Dubosc sur scène. Petit extrait de ce que vous verrez au Palais des Sports. Regardez. Tu vois, Véronique, je te regarde là. Ne me remercie pas. Et je me dis que. Toi et moi. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Together. Je sais pas, Oh là. Oh, cette mini feu de forêt, là, je m'embrase. Oh ben ça, c'est mon petit côté méditerranéen. Hein. J'ai la pinède en feu. Tchau.
5 mars, le 28 mars à Dijon, le 1er avril à Clermont-Ferrand. Faut absolument aller le voir chez vous. Ah, maintenant, je rajoute un truc, ouais, je fais ça avec la langue, tu sais bien, c'est notre jeu là. Mais je fais ça si je fais. Hey, copieuse. Mais lequel des deux durait le plus longtemps? Je ne sais plus. C'est toi qui avais gagné, tu veux qu'on commence? À plate couture. Je t'en prie. Attention, 3, 2, 1, top. Regarde les doigts. Regarde les doigts. C'est vrai, on dirait du Bushman, mais muet. En fait, ils se disent des choses. Et toi, t'as un grand kiki, parce que moi, j'ai un grand kiki. Ah, attention, ce n'est pas fini. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une crampe de la langue. Voilà, perdu! Tu sais, comme ceux qui font les petites cheminées, tout ça que tu mets dans ta télé, il existe cette vidéo de nous deux, absolument, pour vous mesdames, que vous pouvez mettre sur votre télé le soir quand vous êtes seul, voilà. Et vous avez nous deux en face. Regardez bien, voici la vidéo bientôt disponible pour Noël. Un extrait. On ne s'en lasse pas. C'est ça qui est bien. Oui, je sais. C'est l'air intelligent. Ça va cartonner, bravo. J'ai gagné. Ma langue. C'est ma langue. Ça fatigue, vous avez la langue bien, c'est difficile. Hein. Entraînez-vous chez vous, vous allez voir, c'est difficile. Vous vous rendez compte maintenant, les filles, comme des fois on a du mal, nous, les hommes? C'est pour ça que des fois, quand on entend encore des femmes insatisfaites dire encore, encore, vous ne vous rendez pas compte du travail. Moi, c'est quand j'arrive chez elles qu'elles me disent encore. En attendant, écoute, puisque tout va bien pour toi en 2005, 2006, ça paraît bien, tu vas pouvoir te la péter grave dans cette émission. Tu as la possibilité de le faire. Je te pose des questions ultra sérieuses, mais tu as le droit de te la péter ici. Franck Dubosc, bonsoir. Bonsoir. Franck, qu'est-ce que Brad Pitt a de moins que toi? 17 centimètres. Franck, pour quelle proposition tu refuserais une proposition de Steven Spielberg? Pour quelle raison? Pour quelle raison tu refuserais une proposition de Steven Spielberg? Spielberg, Steven Spielberg. Je ne sais pas. Alors, Franck Dubosc est avec nous ce soir. Franck, qu'est-ce que George Clooney aimerait avoir de toi? Je pense qu'il aimerait avoir mon charisme, il paraît. Mon talent, mon argent, mon intelligence, mon sens de l'humour, pour pouvoir enfin se rendre compte de ce que c'est que d'être un ringard. Dis-moi, pourquoi Salma Hayek et Penélope Cruz, qui étaient là tout à l'heure, vont te rappeler et te harceler tous les jours au téléphone? Parce que je leur ai dit que j'avais le numéro de Georges Clooney. Ah, pas mal, pas mal. Franck, on m'a dit que, et ça les gens ne le savent pas, que Rocco Siffredi avait fondu en larmes en te voyant nu. Pourquoi? Parce que j'étais dans sa femme. Je comprends, vraiment. Enfin, cette dernière question, et les gens se la posent chez eux, Franck, avec tout ce succès, comment es-tu resté aussi humble? Bah, tu sais, en fait, je crois qu'il faut rester lucide, et puis, parfois, quand je te regarde, je me dis que, je pense que il faut rester simple, parce que c'est très rapide, parce que la nature t'enlève tout ce qu'elle t'a donné. Et donc, voilà, je te regarde et je me dis, voilà, Franck, fais attention, ça te guette. Mais non, c'est pas vrai. Là, c'est Salma. Là, c'est Salma. Là, c'est toi. Franck, tu t'es fait choper. Là, c'est Salma. Là, c'est toi. Là, c'est très sale. Ouais. Isabelle, il reste là. Pour tout à l'heure. Il y a aussi tout simplement les sous, hein. Les choux. Ah, les joues. J'ai compris, les sous. Non. Ah, les joues. Ah, les... Oui, mais... Non, les sous, tu arrives à le dire. Ah ouais, c'est les sous, c'est les joues, vous n'y arrivez pas. Ah oui, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Ça dépend lesquels. Peut-on avoir ce ralenti, s'il vous plaît, de baiser très tendre? Regardez, attention, Franck se dirige vers moi pour faire un léger bisou. Attention, rapidité, efficacité, top, c'est parti. Hop là, quelle merveille, il a saisi la balle au bon. Quel est ce film qui sortira? Tu vois, Penélope Cruz m'aurait fait ça, j'aurais mis une claque direct. Hein. Ouais, toi, c'est parce que t'es un ami. Ah non, j'aime pas ça, qu'on prenne au dépourvu comme ça. Toi, c'est parce que t'es un ami. Hein. Je comprends bien. Attention. Hein. Non, je comprends bien, mais nous, ça compte pas. On est copains. Raconte-nous le film de Fabien Tenente, Camping. Camping. T'as écrit pas mal dedans, je crois. Oui, j'ai coécrit avec Manu Boz et Philippe Guillard et Fabien. C'est l'histoire d'un monsieur qui est chirurgien esthétique, Michel Saint-Josse, Gérard Lanvin, qui part en vacances à Marbella avec sa très belle voiture. La voiture casse devant le camping des Flots Bleus. Et on est dimanche, 1er août, et il va falloir qu'il trouve où loger.
les hôtels sont pleins et y a de la, on a de la chance parce que dans ma tente, il y a de la place. Il y a 8 places, ma femme n'est pas encore arrivée et je l'aide à rester là et puis sa voiture ne va pas se réparer toute seule. Et dans le film, tu aimes le camping, bien sûr. J'aime le camping, je suis un campeur, je m'appelle Patrick Chirac, je suis de Dijon et je le dis dans le film, je dis je... Avant j'étais dans la moutarde, maintenant je suis dans la merde. Compression du personnel, chômage. Je suis parti avec 4000 euros, il n'y a pas écrit du con. Et non, c'est une comédie, donc voilà. Et il y a Jackie comme dans mon spectacle. Le même Jackie, avec Pastis Partant Bleu, Pastis Délicieux. Hein? C'est Claude Brasseur qui fait Jackie. Et puis voilà, toute la bande des flots bleus. Des campeurs qui va devoir subir pendant une dizaine de jours le temps des vacances. Au mois d'avril, on découvrira les images, on en reparlera au moment venu. Le film s'appelle Camping. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu es... Question de Jennifer, qui m'a posé cette question tout à l'heure pendant la pause. Es-tu célibataire? La vraie vérité. Je veux prendre soin de toi, moi, Piu-Piu. Je veux pas que tu sois seul le soir. Je dirais que mon cœur est encore à prendre. Mon cœur! Oui, j'ai compris. J'ai compris. Bien, justement, sur les femmes, éclaire-nous un petit peu, Franck, et écoute bien. Voici un jeu qui vient des États-Unis, que les Américains nous ont piqué, qui s'appelle le Tu Prefer. Le principe est extrêmement simple, tu vas entendre deux types de sons, tu me dis ce que tu préfères. Tu préfères des filles avec des... Ou des filles avec des... Attends, alors là, des filles avec des... Ou des filles avec des... Non, elles sont pas là en théorie, elles sont là. Ah! C'est dans le bois de Boulogne où elles sont là. Ouais. Parce qu'en théorie, elles sont là. Parce que sinon, c'est un plus. C'est Horry. Si tu vas dans le bois de Boulogne, tu dis bonjour madame. Impossible. Ah ouais. Je préfère la version Titanic et plutôt que l'homme du Picardie. D'accord. Tu vois, c'est la version. J'ai compris. Très bien. En faisant l'amour, Franck, est-ce que tu préfères écouter. Ou est-ce que tu préfères. Ça fait les deux à la suite, ça fait ça. On commence. Allez, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais, tu repars. Ah ouais. Là, j'arrête. Pardon. Ok. Ah ouais. Non, oui. En vrai, je préfère la, quand même la volo. Je comprends. Alors que moi, c'est beaucoup plus court. Moi, c'est plutôt genre hey. C'est plus rapide, hein, ça va. Mais bon, c'est sympa quand même, des fois. Enfoiré, Jeff. Encore, c'était la douche comprise. Hein. Oui, et encore, j'étais parti. La musique comprenait mon retour dans la voiture. Hein. Ah ouais. Franck, généralement, juste après l'amour, tu préfères. Où est-ce que tu préfères? Alors c'est le 2 et après le 1, c'est-à-dire que... Allô, Christelle, j'arrive mon amour. Incroyable. Enfin Franck, si tu avais une perversion, tu préférerais... Oh oui, j'adore ça. C'est moi qui fouette ou c'est moi qui reçois? C'est toi qui fouette. Où est-ce que tu préférerais? Moi, personnellement, j'aime bien le... Oh oui, j'adore ça. C'est celui-là, arrête. Tu peux très bien l'avoir dans la poche. Excusez-moi. Et puis rentrer dans le 2. Je me suis égaré. Bonjour. Ah, oui. Ah, t'es dans le 2, là? Ouais, dans le 2. Ah oui, pas mal. Non, c'est possible, tu peux finir avec ça. Pas mal. Bon. Avant de tout savoir sur le film d'Isabelle Mergault dans quelques secondes, qui est un très beau film. Et puisque tu fais le malin avec ton costume, Franck, c'est le moment de savoir sur l'amour, si tu t'y connais. Je vais te poser des questions très simples. Si tu n'as pas la bonne réponse, je nique le smoke. Allez, on y va. Non, mais tu peux pas le faire avec un costume. Non, bien sûr. Nous jouons pour une demi-manche. Non. Tu es prêt, Franck, à la question, faut-il réaliser tous ses fantasmes? Combien de femmes ont répondu oui?
75%. Ah oui, bien, 20%. Allez, vas-y, fais péter la manche. Non, mais attends, après il faut... Non, mais attends, en faux alors. Oui, bien sûr, oui, je te... Non, mais attends, je fais pas vraiment. Non, je fais pas vraiment. Ne t'inquiète pas, tu n'as... Non, tu n'as rien à faire. Mais t'es malade. Non. C'est-à-dire que c'est un... les gens n'y croient pas après, si on le fait pas vraiment. Voilà, alors on joue... Très bien, on joue... Voilà, très bien. Franck, combien de femmes de moins de 35 ans avouent faire l'amour au moins une fois par jour? Il a vrillé. Avec moi, en tout cas, quasiment toutes. Ouais. Mais c'est une fois par jour. Oui. 32%. Ah, tu sais, 5%. C'est très Attends, bien. Ne bouge pas. Ne bouge pas parce que ça pourrait te faire assez mal. Ne bouge, je te jure. Hein. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, ça peut très très bien. Fais gaffe, il n'est pas un brin bien. Non, attention, ne bouge pas. Hein. Non, ça peut très très bien se passer. Et on va me le rembourser ou quoi? Oui. Attends, lève tes doigts parce que. Voilà, attention. Donc, ne t'inquiète pas. Voilà, ça peut très très bien. Non, je l'ai eu à Noël. Voilà, bon, écoute. Voilà. Très bien, Franck. Très bien, très bien. Bah, t'en auras un autre dans le prochain. Franck, nous jouons maintenant pour une demi-jambe. Combien de femmes de plus de 35 ans ne pratiquent qu'entre une et trois positions pendant les rapports? 7%. Je sais pas comment tu sais, 42%. Ne bouge pas, ne bouge pas, Franck. Pourquoi tu m'as dit ça, toi? Attends, elle me met un ballon avec 7. Ne bouge pas, ne bouge surtout pas. Ne bouge pas, c'était pas la bonne question. Voilà. Mais attends, on va déchirer ton truc, là. Voilà. Il n'y a plus grand-chose à déchirer, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas grand-chose à déchirer sur voilà, ces cils. Éclate-toi. Très bien, Franck. Arrête, la France entière va savoir que j'ai des poils aux jambes. Franck, maintenant, nous jouons pour une jambe entière, Franck. Combien de femmes ne laissent pas leur conjoint passer par la porte de derrière? Quand elles sont en travaux, tu veux dire? Oui, non, oui, pas quand elles parlent. 66%. Ah, bonne réponse, c'est 67. Dommage. Attention, ne bouge pas, Franck. Hein. Ne bouge pas parce que ça peut se... Attention, hein, ça peut se... Attention parce qu'elle descend très bas. Oh, quoi? Non, mais n'aie pas peur. Attention, c'est là que ça devient important. Ah, oh, j'adore faire ça. Voilà. Oh, je peux le faire. Voilà. Et voilà. Ça pète la classe, moi je dis. Non, mais dis donc. Moi, c'est magnifique. Attention, nous jouons pour le... Et moi, je repars comment chez moi? Attends, c'est pas fini. Nous jouons Bonjour, vous venez de faire Coé? Ouais, je viens de faire Coé, là. Oh, on a rigolé, on a déconné. Attention, nous jouons. Il y a Olivier qui a vomi dans l'espace après un moment. Franck, nous jouons pour le haut de la veste. Sur 100 femmes, combien ne s'épilent jamais le maillot? Je sais pas, 5%. Combien? 5%. Je t'avais dit que c'était 6. C'était 10. Allez, on y va. 10% des femmes ne s'épilent pas le maillot. Attention, ça peut. Attention, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas bouger du tout. Hein. Les femmes qui s'épilent pas le maillot, ça fait bizarre quand même. Ouais, bah oui. C'est la touche finale, c'est la touche de trait. Voilà, c'est là généralement que les gens trouvent ça très sympa. Voilà, très bien, Franck. Mais tu sais, c'est un costume. Oui. Voilà. Qui appartient à ma mère. Attends, ah bon? Mais elle va te le raccommoder, ça va être vite fait. Voilà. Tiens, voilà, écoute, je pense que comme moi, ça. J'imagine ma mère qui regarde l'émission, elle va dire. Ah Franck! Comment tu t'es habillé? Je pense que Franck, la prochaine fois, apprendra ses chiffres de l'amour. Vous pouvez voir Franck, il y a un très beau costume! Du 14 janvier au 27 janvier, pour romantique, au palais des sports! Ça va, Arnaud? Bien, tout à l'heure, on en saura plus sur vous. Tout à l'heure, nous recevrons cette demoiselle hein, qui vient, qui était prof et qui a décidé d'être actrice porno, que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Lydia Saint-Martin. Oh, je l'ai eu! En 6e B. Ça va lui faire plaisir. Pourquoi elle a quel âge? Parce que je pense qu'elle n'est pas à l'âge que tu penses. On va recevoir une dame qui a 55 ans quand même. C'est gentil, en 6e B, 55 ans, pour moi, c'est gentil. Bonjour, je suis Lydia Saint-Martin. Non, c'est pas ça, c'est quand même... Alors, en attendant, c'est le moment de parler d'un film qui est très très beau, magnifique. Qui sort le 11 janvier, ça s'appelle justement Je vous trouve très beau. Je demande d'applaudir, s'il vous plaît, Isabelle Mergault. Venez, Isabelle, venez. Attendez, j'enlève la protection solaire. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Ouais. Comme ça, il se déchire. Installez-vous tranquillement. Bonjour. Le film est sorti hier, je disais que c'était un très très joli film. C'est votre premier film en tant que réalisatrice. Oui. Et il est vraiment très beau. C'est topissime. Vous en découvrirez quelques images, vous n'êtes pas allé le voir encore au cinéma hier, mais c'est un très beau film. Et en ce moment, quand les choses vont pas super bien et qu'on a envie de se faire du bien, c'est un film qui fait du bien. Je me trompe ou pas? Énorme. Bah oui, mais en fait, quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas la conscience de faire du bien ou quoi ou qu'est-ce. Moi, je ne suis pas altruiste à ce point. J'ai voulu faire un bon film, voilà, j'ai fait de mon mieux et j'étais très très bien entourée pour le faire. Et voilà quoi. Il est vachement bien. Moi, j'ai failli chialer. Bon, petites choses sur Isabelle Mergault, Cécile? Il y a quelques années, vous êtes dans un restaurant et vous partez aux toilettes. Et il y a un monsieur qui vous suit
et qui vous propose de, que vous l'aidiez parce qu'il avait envie de fumer le cigare. À enlever... Oui, alors, c'était... Ouais. J'étais à un dîner avec des gens que je ne connaissais pas beaucoup. Et ce monsieur... Alors, je vais aux toilettes. Et ce monsieur me suit, un monsieur d'environ 70 ans qui venait d'épouser une jeune femme. Et il me rejoint dans les toilettes et il me dit « S'il vous plaît, j'ai envie de fumer un cigare. J'ai arrêté de fumer. Ma femme croit que j'ai arrêté par ma propre volonté. » Or, il s'était fait mettre un patch par sa gouvernante au milieu du dos. Il ne pouvait pas l'attraper. Et il me dit « Enlevez-le, parce que j'ai vraiment trop envie. » Alors moi, je lui enlève le patch au milieu du dos. Bon, il soulève sa chemise et tout, je lui enlève le patch, flac, je le fous dans les chiottes et tout, je tire la chasse d'eau. Et elle, la femme, entre-temps, me cherchait partout et cherchait son mari. Elle arrive dans les chiottes des femmes et on sort tous les deux de la cabine, enfin des chiottes. Et puis lui, il remettait sa chemise parce que, voilà. Et ça fait... Et elle a cru ce qui... Je lui ai dit, mais... J'ai dit non, c'est pas ce que vous croyez. Ah oui, mais là, vas-y. On était tous les deux enfermés, quoi. Et, bah oui. Et il sort des chiottes en remettant sa chemise dans son pantalon. Elle a dit quoi, la dame? Ben, elle m'a fait une scène, elle m'a traité de salope. J'ai dit, comment vous savez? Enfin bon, mais. Oui, mais pas là. Oui, mais lui, il a préféré faire croire à des choses que de dire. Qu'il avait un patch au milieu du dos. C'est incroyable. Il s'est dit quitte à se faire engueuler autant que je flambe un peu. Il a mis le cigare dans l'anus et il l'a éteint tout seul. Avant qu'on parle du théâtre, qu'on parle du film qui est donc sorti hier sur tous les écrans, on en voit quelques images. Autre chose aussi, il paraît que vous marchez 10 km tous les matins avec votre chien. Entre 8 et 10, ça fait 1h30. Mais de marche rapide. Hein. Tu vas jusqu'où comme ça? elle marche des deux. Je fais le tour du bois de Vincennes. Tu sais que je viens d'arriver me dire, il y a des gens qui doivent arriver dans cette émission qui te découvrent avec cette veste en lambeaux. Qui doivent se dire, Franck a vécu quelques problèmes ces derniers temps. Justement, c'est le moment de leur dire, j'ai croisé, ça m'a. Et ils n'ont pas vu les jambes. C'est un grand moment, les jambes. Il y a certains stylistes qui ont fait des trucs grunge. Absolument. Dénonce pas. Ça, c'est grunge, non? Ouais. C'est ce qu'on appelle. C'est grunge. Mais ça le fait, je peux sortir en soirée comme ça. Vous savez, il faut que je vous dise, parce que je peux pas m'en empêcher. Où il y a beaucoup de mots dans la langue française qui comportent des cheux et on ne s'en rend pas compte. Ou c'est vous qui n'avez pas de chance à en utiliser beaucoup. Alors, un autre mot que grunts. Non mais franchement, j'aurais pu remplacer ça par cheux. Cela dit, sur ton histoire tout à l'heure, t'as choisi quand même compliqué parce que chiotte, pack. Mais oui, mais c'est ce que je voulais dire. Des fois, vous pouvez ne pas avoir de chance. T'aurais pu dire toilette au lieu de chiotte. Oui, c'est vrai. Et le pack, j'aurais pu dire un timbre à nicotine. Voilà, des fois. Mais c'est toujours beaucoup plus long. Je me demande si en fait, vous n'avez pas des mots compliqués qui, pas de chance, c'est les premiers qui arrivent. Non, et détrompez-vous là-dessus. Détrompez-vous bien. Au contraire, je fais une gymnastique énorme pour trouver des mots qui n'est pas de ce et de ce. Attends, mais je marche avec mon chien. Tu pourrais dire je me balade avec mon péquel. Née à Paris, Isabelle, d'une mère chercheuse en médecine et d'un papa chirurgien. Ouais. D'accord. D'ailleurs, dès 9 ans, c'est vrai que votre papa, il vous a lancé un pari sur les opérations, ou c'est vrai ou pas? Oui, pour faire de l'argent de poche, c'était la période où on se faisait beaucoup opérer de l'appendicite. Et donc, pour faire de l'argent de poche, en cours de récré, moi, je m'étais fait opérer par mon père. Et mon père m'avait proposé 10% sur les clientes, les enfants que je ramenais. Et alors, donc, moi, je soudoyais les gamines. Je leur disais, voilà, vous faites semblant d'avoir mal au ventre. Je leur donnais les symptômes et tout. Et moi, je vous donne 5% des 10% que j'aurais. Ce qui faisait des sommes énormes quand on était petits, quand ça même. Ça faisait pas mal, quand même. Ça faisait pas mal. Enfin, énorme, oui. Enfin, ça faisait pas mal. Et donc, voilà, pratiquement toute ma classe a été opérée de la panique. Il y avait un quota pour les oreilles décollées, je crois, aussi. Il y a eu une oreille décollée. Mon père était très content parce que c'est beaucoup plus cher que les appendicites, l'oreille décollée. Et donc, et là, on s'est fait vraiment des fesses en or. Ah oui, là. Mais il n'y a eu qu'une oreille décollée. Enfin, les deux, mais qu'une. Ah, j'allais dire, parce que la personne n'avait pas qu'une oreille. Oui, oui. Généralement, ça va par deux. Sinon, très mauvaise à l'école, vie réduite école. C'était quoi les motifs? J'étais dans une école religieuse. Dans des écoles religieuses. Avec des clés, les bonnes sœurs. Dites privées, catholiques. Ouais, il y avait des bonnes sœurs. Voilà, c'est ça. Et donc, à chaque fois qu'on les croisait, il fallait dire bonjour, mère Hélène, mère Yanya et tout. Et là, moi, je rentre dans la salle des profs. Franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Je croyais qu'il y avait... D'habitude, il y avait toujours plein de mères qui étaient là et tout. Et donc, là, il n'y en avait qu'une. Et je rentre et je dis bonjour, mes mères. Et je vais... pensant qu'elles étaient plusieurs, oui. Comme elle a été toute seule, je me suis fait virer pour insulte à mère supérieure. En plus, c'était la mère supérieure. Mais je n'ai jamais voulu la traiter de mère. Je croyais juste qu'elles étaient plusieurs. Isabelle,
Jurez-moi que votre petit, comment on dit, chuintement. Chuintement, c'est les S. Alors, c'est sec comme ça, et chuintement, c'est ce comme son nom l'indique. D'accord. Jurez-moi que c'est pas comme Céline Dion qui, des fois, quand elle chante, perd son accent québécois. Jurez-moi que dans les petits moments intimes, il ne part jamais, ce petit chuintement. Bah, je parle pas, moi. J'attends que ça se passe. Non, mais tu dis oui, Alors, justement, je vais vous poser des questions. Et vous allez répondre en me disant « je suis sûr » ou « je suis pas sûr ». D'accord. Si par exemple, on te propose un rôle dénudé dans un bon film, tu dis oui ou tu dis non ? Des rôles à poil, je fais que ça. C'est vrai, c'est pour ça. Ah non, mais moi, si je devais racheter tous mes costumes, ça tient dans un petit tiroir, quoi. Il y a un string. Le premier, ça a été ça, ah, c'était quoi. Joli. Hein. Le premier. Rôle des robades. Ouais. Ouais, je faisais une pute. Et après, je n'ai fait que ça, quoi. Soit des prostituées, soit des filles qui voulaient bien, soit des filles pas bonnes. Soit des filles pas farouches, soit des filles qui prenaient, souvent des filles qui prenaient une douche. C'est vrai. Et puis, oh, mais la serviette de bain, elle n'est pas tout de suite là. Et donc, il y avait toute une pièce à traverser, voilà, tout le temps. Quel scénario, voilà. Ça. Et moi, ça ne me gênait pas. Je n'ai jamais eu l'ambition d'être actrice. Et je trouvais que c'était très bien de se mettre en petite tenue et d'être payée pour ça. Alors, je suis sûr ou je ne suis pas sûr si Ruquier propose une autre pièce? Ah, je suis sûre. D'accord. De doubler un porno à cause de ta voix si particulière? Je suis pas sûre du tout. Si un homme te demande... Je te douille. Tout le monde saura que c'est moi. Je suis pas Isabelle. Non, je suis pas... Si un homme te demande, pour vivre avec toi, de te séparer de ton chien? Ah, mais la question est difficile. Mais mon chien est un peu con. Ah, non, d'accord. Alors... D'accord, donc c'est le clap qui va partir. Tu as remarqué qu'Isabelle se... touche les pieds quand elle te parle. Non. Je peux pas. Et c'est un signe. Il paraît que généralement, quand on se touche là, quand on se caresse jusqu'au pied, ça veut dire qu'on est un peu séduite. Ah non, c'est pas le pied, c'est le... Non, c'est comment ça s'appelle, ce truc? Le tibia, en théorie. Vous rentrez votre main dans votre chaussure, il paraît que vous êtes séduite. Non, j'ai pas d'élastique à mes chaussettes et non, elle n'arrête pas de descendre. Quand on rentre la main dans sa culotte. Est-ce que vous pourriez arrêter de casser cette magie? C'est parce que vous êtes séduite. Oui, c'est pour ça aussi. Bon, alors, elle est aussi très copine de Laurent Ruquier. Puis alors, Laurent Ruquier lui a signé, je crois, il y a une pièce qu'il faut absolument aller voir, c'est ça, avec Pierre Palmade. Oui. Qui, ça s'appelle « Si c'était à refaire au Théâtre des Variétés ». Comment ça se passe? Vous applaudir parce que l'aventure avec Pierre, d'abord la pièce s'est insultée. Et l'aventure avec Pierre, que j'adore, ça se passe comment? Ah, ça se passe très bien. J'avais très peur parce que je me suis dit, il sort du one-man show et peut-être il va faire un one-man show avec des comédiens autour. Une pièce, c'est pas des vagues. Et oui, et j'avais très peur. Et en fait, non, pas du tout. C'est l'inverse de ça. Il joue vraiment avec nous. Enfin, il est comédien à 100%. Il a complètement oublié son côté one-man show. Il est très généreux. Il me donne plein de trucs pour faire rire davantage. Non, ça se passe très très bien. Bah, en tout cas, Pierre dit que du bien de vous et puis tous les partenaires, enfin tout le monde parle, tous ceux qui ont vu la pièce trouvent que c'est vraiment top. On se marre bien. Il paraît, il faut absolument y aller. Et puis alors, le 11 janvier, le film, vous allez en découvrir un extrait tout de suite. Ça s'appelle « Je vous trouve très beau ». C'est l'un des peut-être les plus beaux films qui sort et qui est sorti hier sur tous les écrans. Vous allez vous marrer, vous allez certainement pleurnicher un petit peu. C'est un petit peu ça la vie, mais en tout cas, c'est un très beau film. Regardez, c'est avec Michel Blanc, entre autres, regardez. Encore une fois, Monsieur Pigronnet, toutes mes condoléances. Le film, faut aller le voir depuis hier sur tous les écrans. « Je vous trouve très beau ». Alors si, le film, c'est « Je vous trouve très beau », Isabelle. Oui. Si je vous dis que je vous trouve très sensible, c'est vrai ou pas? Oui. Si je vous dis que je vous trouve très généreuse. Oui. Si je vous dis que je vous trouve un peu d'info. Non. Si je vous dis que je vous trouve un peu parano. Oui. Si je vous dis que je vous trouve un peu chiante. Oui. Si je vous dis que je vous trouve très bonne. Oui. Il y avait une suite à la question, mais je m'arrête là parce que je le pense. Et moi, vraiment. Si je vous dis que je vous trouve très beau? Ah bah, c'est-à-dire que ça peut s'arranger, c'est le moment ça, c'est... où elle va te toucher. Mais beau, qu'elle... pas physiquement. Non, c'était juste pour redire le titre de mon film. D'accord. Il faut aller voir le film, allez vous voir au théâtre. Je ne voudrais pas me tromper sur l'adresse du théâtre. Je vais me tromper. 9 boulevard Montmartre, c'est Théâtre des Variétés. Merci beaucoup, la pièce de Laurent Ruquier avec vous et Pierre Palmade, entre autres. Et puis allez voir au cinéma le film qui est sorti depuis hier. Je vous trouve très beau, avec entre autres Eva Darlan, Michel... Michel Blanc. Je vous demande d'applaudir Isabelle Mergault qui est avec nous. Non, je ne m'aimais pas. Non, je ne m'aimais pas. J'ai bien vu que je ne suis pas à votre goût. Je sais, madame. Oh, mais là, vous faites ça pour faire la gentille, mais j'ai bien vu. En plus, il sent bon. Mais j'ai bien vu, je suis pas... Ouais, c'est vrai. Mais il mange ça qui pue, en plus. Ouais, dis donc, ouais.
Eh, en plus aussi, de quoi ah, moi, je me suis lavée. À chaque fois, je fais une télé. Isabelle, c'est vrai, Isabelle, bah moi aussi, Isabelle, ça tombe bien. Isabelle, vous avez vu ou pas? Ah oui, ah, oui vous deviez toucher, pardon. Ah oui, pas ah mal. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça vous plaisir. Ouais, ouais. Oh, c'est froid, l'acier. C'est froid, l'acier. Quel beau compliment. Oh Isabelle, vous en prie. Voici celui qui est au théâtre, qui est au spectacle pour le Grand Rex à Paris. Je demande de faire un triomphe à Anthony Cavana. Anthony Cavana est avec nous, le temps qu'Anthony s'installe. Yes. Peut-être le temps de fignoler le costume de Franck Dubosc. Qui en a pris un petit tour et est avec nous pour la suite de la maison de Paris. Ça va être chaud tout à l'heure, tout de suite. Isabelle Mergault qui nous quitte. J'étais ravie de... Mais moi aussi, Isabelle. J'étais ravie d'être là. Qui veut tout le monde. Il vous ramène à tout Gigi. Au revoir, Isabelle. Je vous trouve très beau. Sors, mais sorti sur les écrans hier. Avant d'en savoir plus sur Jennifer Lauré et Roméo Sarfati, qui entre autres ont triomphé dans une famille formidable qu'on a vue il y a quelques jours, avant d'en savoir plus sur vous, sur Anthony Cavana, qui est avec nous ce soir. Oh il est temps, je ne pressais pas. Il est temps d'accueillir une prof comme on aurait aimé tous en avoir. Mm. Une prof qui a décidé de laisser tomber les cours pour faire du cinéma. Cinéma, cinéma. Mais du porno. Du cinéma pour les grands. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, et de faire un triomphe à Lydia Saint-Martin, s'il vous plaît. Lydia. J'ai pas révisé. Je peux être puni. Une fessée alors après. Vous étiez prof de quoi? D'anglais et de français. Oh, qu'importe. Oui. C'est, je crois qu'il faut voir devant, quoi. C'est l'avenir qui compte. Hein. Roméo nous racontera son histoire avec sa prof d'anglais. Ah. Eh bien, avant de parler de l'histoire de la prof d'anglais, il va falloir dire au revoir à Franck Dubosc qui part au mauvais moment. Et voilà. Et pourquoi donc? Eh ouais, mais c'est ballot. Si tu dois nous quitter. Ouais, tu dois t'en aller. C'était cool. D'ailleurs, recoute ton costume. Ouais. Ah oui, j'ai croisé Penelope Cruz et Salma Hayek. C'est très chiant. Il a croisé mon cutter surtout. Et il s'est fait déchirer. Allez, Franck, il faut aller. En parlant de déchirer, je vais m'en aller. Pardon. T'as les idées vraiment mal placées, toi. Hein? Enfin, mal placées en même temps, c'est pas si mal placé que ça. Mais... Bon, bon, Franck, hein. C'est... Alors, bon, bah, je vous laisse. Écoute, la prochaine fois. Ouais, je suis très grand. En fait, t'es super grand quand tu te lèves, c'est dingue. Ouais, toujours, hein. Franck, écoute, tu devrais repartir à genoux. Parce que là, t'es beaucoup trop grand. Je vais repartir à genoux. Voilà, mets-toi à genoux, Franck, c'est beaucoup mieux. Franck, tout de suite, au revoir, Franck. Salut, Anthony. Au revoir. Ciao, Franck. Au revoir. À bientôt. Salut. Allez, là, faut que tu t'en ailles, là. Voilà, faut que tu t'en ailles, Franck. C'est bon. Ah, on va pouvoir parler tranquille, on va pouvoir parler avec Anthony. Très bien. Allô? Oui? Allô? Qui c'est? C'est Franck. Oui, c'est Franck. Oui, Franck. Donc, t'es sûr que tu veux pas que je revienne? Parce que j'avais encore un peu de temps, en fait. Oui, mais non, parce qu'on a dit, on a pas un horaire à respecter de ces fois. Sinon, après, c'est le bordel, on finit à 1h30 du matin. Et non, mais c'est juste, c'est parce qu'il y a Anthony, tout ça, plutôt cool. Ouais, bah ouais. Et je pense que... Bon, tu je peux pas rester? Non. Tu lèves? Bah oui, je sais. Ah non. Franck est parti, ça y est. Façon, la place est prise. Non, ça y est, il est plus là. Donc, Lydia, dans un instant, on attend que les enfants soient couchés. Quand les enfants sont couchés, on se parle tranquillement de tout. Promis, hein? Promis. Je veux tout savoir sur ce qui vous a fait passer du métier de prof. C'est marrant, c'est un dossier qui t'intéresse. Ah oui, grave. Ah oui. Oui, ce soir, dans le Dot Coé, comment passer de l'éducation nationale à la fédération. Nationale. Oui, j'ai envie de savoir comment c'est possible. Allô? Oui. Allô, qui est à l'appareil? Oui, Franck, c'est Coé. Ah, mince, c'est parce que je voulais appeler ma mère, j'ai fait une fausse manœuvre. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est rigolo que je tourne sur toi. Ouais. Non, rien, j'allais partir bêtement, je sais pas trop où aller, Tu l'as attendu, Franck. Non, faut respecter les horaires, Franck. Ouais. Allez, bisous, hein, on arrête là maintenant. Hein. Allez, bisous.
Au revoir. Ciao, Franck. Ciao. Bon, allez, dans le fauteuil, Jennifer Lauré, Roméo Sarfati, allez, allez. Wow. Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Oui. Bonjour. Bon, allez, bien. Oh, bah, allez, bonjour, vas-y. Comment allez-vous? Bonne année les deux, installez-vous. Merci, dans le fauteuil de la méthode. Aussi. Bravo. C'est comme ma petite soeur. Ah, c'est bon. Bah attends, j'ai le droit de regarder l'émission comme tout le monde. Ouais, je sais pas pourquoi. Si moi je pars, tout le monde s'en va, y a pas de raison. Je pense que ça va nous mettre mal avec ta famille, tu es attendu, je te jure. Ouais. Je me laisse dépouiller, machin et ouais, tout. Ouais, je sais, Franck, je sais. Franck, repars dans la dignité, la tête haute. Désolé, Anthony, je voulais rester un petit peu avec toi. Ouais. Excusez-moi. Je voulais rester un peu avec toi, puis je vais être obligé d'y aller. Oh. Et non, dès que je vois un nœud, c'est terrible, faut que je l'écarte. Oh. Au revoir. Allez, au revoir, Franck. Allez. Alors, on vous a vu dans une famille formidable et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous verra dans le dernier épisode de la 6e saison. Eh bien, dans les 3. Nous vous verrons donc mercredi prochain dans une famille formidable, un nouveau départ, qui est le dernier épisode de la nouvelle saison, qui est la 6e saison. Voilà. Exactement, voilà. Merci, merci. Bah voilà. Avant d'aller plus loin, c'est vrai, Jennifer, que tu as fait une demande en mariage à Johnny Hallyday quand tu avais 9 ans? Oui. Il a dit non, je suppose. Même eh ben si non, il m'a dit oui. Jeune. Il m'a dit oui. Il ah m'avait... Bon oui, parce que quand j'étais toute petite, j'étais folle amoureuse de lui. Et quand j'ai fait ce clip avec lui et que je l'ai rencontré, je lui ai dit. Il m'a dit, bah, je t'épouserai quand tu auras 18 ans. Et il sait que c'est toi, aujourd'hui? Parce que là, je pense qu'il non. est capable maintenant non, de t'épouser. Non, mais bon, en même temps... T'as changé d'avis? Ouais. Bon. Avant mes 18 ans, d'ailleurs. Lui, peut-être pas. Ah, mais aussi. Lui, non, mais si. Peut-être. Non, c'est vrai, il a peut-être très envie de Johnny. Si vous le regardez, elle est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Elle vous et puis alors, toi, Roméo, non, par non. contre, c'est vrai que t'as fait l'émission Tour des manèges. J'adore le. Ah oui, y a, je vois qu'il y a de la balance t'as sur le t'as fait plateau. La vraie tournée manège avec si Fabienne Egal et Evelyne Delia. J'ai fait l'émission parce qu'une copine travaillait à la réception de la SFP. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. Non, mais c'est la vérité. C'est toujours une copine, et voilà, mais ça m'a pas empêché d'être ridicule comme les autres, et même si ma copine bossait à la réception. Non, mais j'ai le problème, c'est que j'étais choisi dans la première émission qui s'est passée la semaine. À l'époque, on revenait en fin de semaine tous les couples. Il fallait passer une soirée avec les sous, c'est ça? Voilà, bon là, je t'avoue que j'ai partagé l'enveloppe et j'ai pas passé la soirée. J'ai retrouvé ma partenaire avec qui j'avais gagné juste avant l'enregistrement de la dernière émission. Et je lui ai dit, voilà, on va faire un stratagème. Tu vas imaginer que je suis un mauvais garçon. Je vais imaginer que tu es une gentille petite fille. Ah, pas mal. Et on a gagné le voyage. Ah oui, vous deviez partir ensemble. De la semaine, on devait partir ensemble. Il se trouve que la fameuse soirée où je l'ai plantée, elle s'est retrouvée avec le perdant de l'émission. Ils sont tombés amoureux. Oh, joli. Ouais, ils sont partis ensemble en voyage et ils se sont mariés. Voilà. Ah, oh, bah alors. Elle est sympa, l'histoire. Oh, bah alors. Rapidement, il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent « Mais je les connais, ça me dit quelque chose. » Jennifer, c'est Sarah, la fille de Julie Lescaut, depuis combien de temps? 14 ans. Depuis 14 ans l'image? T'as commencé à quel âge, en tout? À 11 ans. Ah enfin, oui. 15 ans même. Ah ça oui, fait ça 15 fait... ans. Et la famille formidable, la même année, en 91. Ah oui, ça fait un petit bout de temps. Et Roméo, c'est Louis, de la série Sous le soleil. Ouais. Mec qui ouais. a été un peu bad boy avec les dreadlocks. Il a ouais. été un peu bad boy, ouais. Et puis alors, Jennifer, tu as dit la dernière fois, on t'a vu poser dans un magazine. Oui. Très sympathiquement d'ailleurs, hein, des oui. photos relativement sexy. T'as dit je voulais casser l'image de la petite gamine de Julie Lescaut. Enfin, de la gamine en général. T'as fait ça? Oui, attends, j'ai le magazine. Non, non, quoi est-ce qu'il y a? Rien. Non, non, mais je ne montrerai pas. Mais montre-nous quand même. Non, ce sont des jolies photos. Ce sont des jolies photos, c'est vrai, il n'y a pas de... Non, c'est vrai. Il n'y a pas de... Voilà. Je suis une femme avec dessin. C'est une bonne phrase, ça t'a oui, bien fait de le dire. Ouais. T'as bien fait. Il y a des fois des phrases qu'on regrette après quand non, elles sont écrites comme non, ça. Non, mais c'est magazine, c'est bien on de sait dire. Très bien. Enfin, de toute manière, il n'y avait rien d'autre à ressortir que de trucs comme ça. Quoi. Et pourquoi tu l'as fait? Je l'ai fait parce que j'ai commencé, j'avais 6 ans. Et que ça me, quelque part, c'est un boulet que je traîne, même si j'ai... une superbe carrière, j'ai fait plein de jolies choses et tout ça. Tu veux dire que les gens ne te regardent pas comme une femme? Oui. Maintenant, ils la regardent comme une femme avec des seins. Avant, ils ne regardaient pas les seins. Maintenant, ils regardent. Un truc à part, sur Julie Lescaut, on me bandait la poitrine pour qu'on croie que j'ai 11 ans. Ah oui. Quand j'en avais 14. Ah oui.
Et je crois que les gens du métier. C'est pas malheureux de demander ça. Oh bah à l'époque, ils étaient pas comme ça. Oui, mais là, ils sont bien. Mais ce que j'ai voulu dire, et surtout aux gens du métier, c'était que j'avais grandi et que j'étais différente. Et en parlant cinéma ou rôle, tu as dit, tout pareil dans le magazine, tu as dit j'adore réincarner une super salope. Ouais, non, mais ça. Non. Enfin, j'aimerais jouer un rôle. Enfin. Avoir un rôle à jouer que où je peux me lâcher. Mauvaise, ce qu'on peut pas, quoi. Oui, ou mauvaise, ou aller complètement de quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie. J'ai quoi. Compris. Eh bien, justement, quelqu'un en loge voulait te dire bonjour. Tu parlais de super salope. Je crois qu'elle est en ligne avec nous. Vous nous entendez? Vous êtes là? C'est pas possible. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes. C'est pas possible, c'est déjà pris super salope. Hein. Non, mais on va pas me faire le coup à chaque fois, là. Comment ça va? Bonsoir, super salope, la seule, l'unique. C'est vous? Ouais, excusez-moi, le titre est déjà pris, hein. Pardon, excusez-nous, autant. Il y en a qu'une de super salope, la reine des infos, c'est Bibi, d'accord? Sharon Stone, vous avez vu Basic Instinct? Tout à fait. Eh ben, le doublage, c'est qui? La foufoune, c'est vous? C'est moi, c'est Bibi. Bien. Microcosmos, vous l'avez vu? Microcosmos, oui. Eh ben, ça se passe pareil à l'intérieur. Ah bon, c'était alors, là? Alors, ça suffit. Super salope, la reine des infos, c'est moi. Alors par contre, je veux bien vous venir sur le plateau, vous donner quelques conseils, si vous le voulez. Hein. Oui, mais enfin, alors, pas forcément. Oui, attendez, pas forcément, mais. Tout d'abord. Mademoiselle Super Salope, où êtes-vous? Je dois vous appeler Super. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive, je suis super nique et j'arrive. Très bien, Mademoiselle Super Salope a un contretemps, elle reviendra plus tard. Pardon, excusez-nous, c'est. Pardon, autant pour nous. Jennifer, très rapidement, je te pose des questions, tu me dis si c'est super salope ou pas. Aimer prendre des claques sur les fesses pendant l'amour. Putain, mais c'est naze. Non, non, c'est sympa, mais j'assume pas la question, mais bon. Bah, tu assumes pas la réponse. Ah bah, vous pouvez répondre, vous pouvez non répondre. Non, non, non allez. Ah, c'est-à-dire que non, c'est pas super ça. Non, mais... Je non, ça veut dire que vous aimez, mais... Non, enfin, j'aime pas forcément, mais ça me ça vous arrive, quoi. Ça vous arrive. Coucher avec le mec de sa meilleure amie. Super salope. Regarder souvent des films X et s'en inspirer dans la vie. Non. C'est bien de vous faire ne ça. Ne pas moi mettre de culotte. Non. Non, mais ça veut pas dire que j'en mets pas, on est mais bien d'accord. Rien, hein. Mais... Non, non, j'ai dit le regard. Attends, rien dit, hein. Quel regard? Non, mais le regard. Mais je vais pas regarder le plafond. Non, mais faire... bon. Non, mais c'est d'accord. Parce qu'on voit que tu réfléchis, tu regardes pas le plafond comme ça. Mettre la photo de son ex à poil sur le net. Ça, c'est super salope. Ouais, mais c'est cool, ça peut être marrant. Gagne l'auto et ne pas donner d'argent à ses proches. Non. Non, c'est normal. Mater le cul des mecs dans la rue. Oh non. Quoi non? C'est pas être super salope. Ouais, mais enfin, vous regardez toujours les mecs qui ont des beaux culs, ça fait. Les mecs qui ont les culs plats, vous les regardez jamais. Bah, c'est vrai que c'est dégueulasse, non, mais on regarde les culs. Après, ouais, il jamais est plat, il est pas plat. Ouais, on mais voit jamais. Pas, moi, et je vois toi, bien. Tu te gênes peut-être. Ouais, je le regarde, on regarde sur mon cul, il est inexistant à chaque fois. Personne ne regarde mes fesses parce que vous êtes. On fera un concours, Anthony, Anthony contre moi tout à l'heure. La revanche des fesses. Ouais, je pense que je vais perdre, mais c'est pas grave, je jouerai quand même. Oh non, l'espoir fait vivre. Mettre un costume et une cape pour s'envoyer en l'air avec super salaud. Bah ouais, pour être coordonné. Tromper super salaud avec Superman. Ah non. Ça c'est cool ça, non mais ça reste entre super-héros, c'est dans la famille. Alors, vous avez fait aussi, les deux, vous avez commencé par le cinéma. Toi c'était dans le film de Patrick Braoudé qui était génial, Mes parents divorcent. Ouais. La première expérience avec le cinéma, c'est bien passé? Génial. On était 20 mômes, ça a sûrement dû être pour eux un enfer. Ça devait être un petit bordel. Hein. Oh, pas et, petit, ouais. Et toi, Roméo, t'as vu dans La Vérité si je mens en 96? Ouais, j'ai eu un petit rôle dans La Vérité si je mens. Petit rôle, on t'a bien vu quand même. Eh bien, en attendant, vous les verrez tous les deux dans Une famille formidable, ça passe mercredi prochain. Regardez, petit extrait, si vous n'avez jamais vu. Vraiment, faut le faire exprès. Et Camille Duperneuf, regardez. Ça va bientôt faire 2 ans et je suis très heureux avec elle. Bon, voilà, je lui fais un gros bisou d'ailleurs, je sais pas où la caméra. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Doro. Doro, je Doro. Tiens à dire, depuis tout à l'heure, Doro, il n'a pas mis la main à aucun moment sur non ses fesses. Non. Sa main n'a été que sur la coudoir. Je n'ai regardé que ça depuis tout à l'heure. Elle est là. Doro, au premier truc qui va pas, je te le dis en tout cas. Eh bien, avant de regarder, avant de se retrouver mercredi prochain pour le dernier épisode d'Une famille formidable, quelqu'un voulait absolument te dire bonjour et au passage avoir des bonnes résolutions. Bonsoir. Ah. Mademoiselle Herpès, comment ça va? Mademoiselle Herpès. Bonsoir. Je vous demanderai pour cette année des bonnes résolutions. Tout à fait. Bonsoir Roméo Sarfito. Comment ça? Sarfati. Sarfati. Ça va bien? Ça va. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions? Commencez pas chez moi Roméo. D'accord. Et première, là, chez Gigi aussi. Première résolution, c'est de me soigner mon herpès. Bien, très bien. Je note. Je vais le soigner à l'aide de pizza 4 fromages. Oui, je frotterai dessus comme ça. C'est pas bien. Ensuite? Deuxième résolution, c'est d'avoir un mari. Très bien. Même s'il faut utiliser le GHB. Non, ça c'est interdit. Non, c'est pas bien. Ah, non, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Et à troisième résolution, c'est de choper la bouche à Roméo Sarfati. Comment?
Comment je... Roméo 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 est très inquiet. Roméo Roméo Roméo, ne pars pas trop loin, il y a des câbles partout. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mademoiselle... Mademoiselle... S'il te plaît. Ah, ça fait rock. Est-ce que... Roméo... Pardon. Mademoiselle Herpès. Tout à fait. Mademoiselle Herpès. Ah, t'as vraiment envie. Vraiment. Fais-moi l'amour comme une froufroute. Vraiment, vraiment. Oh non. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir de la musique tendre, s'il vous plaît? J'arrive pas à me musique au moins, c'est dur. J'arrive même pas à me rappeler. Attendez, est-ce qu'on peut au moins avoir un peu de musique? Au moins une petite musique. Attends, attends, faut que je m'imprègne. Vas-y, vas-y. Attends que je m'imprègne. Attends, je vais me frotter un peu, ça va être excitant. Non, mais attendez, ça va pas, non? Mais c'est pour l'exciter, c'est pour l'exciter. Attendez, je vous tiens, si vous voulez, je vous tiens, parce que comme ça, vous pourriez... Voilà. Oh là là. C'est juste pour vous tenir. Oh, le fantasme. Non, mais arrêtez, c'est pour vous tenir. Pardon. Alors, mademoiselle Herpès, mais on pense à danser. C'est juste pour vous fassiez plaisir. Attends. Ma dodo. Attends, on met la langue ou pas? On met la langue? Sans la langue. Sans la langue, sans la langue. Il a dit avec. Allez. Les enfants, oula, 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 oula. Écoutez, cette année 2010, les marches sur la tendresse. Arrête, ça va, vous faites ça. Arrête, ça va. Bon, repartez, repartez. Vous les verrez mercredi prochain. Ah, ben voilà. L'herpès, c'est contagieux, ne faites pas ça chez vous. Je dois plus pouvoir tourner à votre place. Roméo Sarfati, s'il vous plaît. Et ma Jennifer à moi, reprenez vos places. Là-bas, allez, là, oh, par là, par là. Aïe, aïe, aïe. En attendant, tiens, faisons un bisou à celui, puisque c'est un habitué de cette émission, mais on ne pouvait pas rater, il y a quelques jours de son spectacle, Les Démons de l'Archange. Anthony, viens nous voir, viens nous faire un bisou, Anthony Cavada. Ça va, ma poule? Ça va bien? Anthony, Anthony, Anthony. Yes. Maëva, oui, très bien. Anthony, Anthony, Anthony. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Chloé? Anthony, 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 Anthony. De quoi on devait parler tout à l'heure? On s'est dit, il faut qu'on en parle. Oui, les fesses. Les fesses, allez, allez. Allez, comme ça, hein, ça sera fait. Ça sera fait. De dos, hein. Excusez-nous, hein, si des fois vous voyez des choses qui pendent entre les jambes, on y parle. Oh, pardon. On y a cru ou pas? Oh, oh, oh. On dirait Maïté, alors... Dodo. Mais c'est un clip de 50 Cent. Ouais. Alors, regardez, après le clip de 50 Cent, voici le titre de 50 centimes d'euros. Attention, ça s'appelle Bouge ton popotin à Marle-sur-Cer. Ça s'appelle Tu ne verras rien. Arrête les gens de rire. Attention, on peut pas non plus... Alors, jugement? Bah, en fait, je ne suis pas très partiale parce que j'aime bien les fesses hautes et bombées, donc c'est Anthony pour le moment. Chloé va me détester après. C'est un choix. Rien à branler, je ne regarde plus les films porno de toute façon. D'accord. Je sais même ça, pas de... ça m'étonnerait. Même pas, quoi, même pas de quoi on va parler alors. Il y a l'album Les Démons de l'Archange qui sort le 23 janvier. Anthony Cavada. On en parlera dans quelques minutes, il y a J'ai vu partir, on en écoutera et on regardera un extrait, c'est le titre. Merci. Extrait de l'album, il y a le spectacle au Grand Rex, Les Démons de l'Archange, vous avez certainement vu cet homme au regard inquiétant. Vous avez certainement vu des affiches partout puisque Les Démons de l'Archange c'est du 24 janvier, ça s'applaudit, au 5 février 2006, au Grand Rex de Paris. Et puis alors on en parlera tout à l'heure, mais il y a Énergie, Énergie Music Award le 21 janvier. Une petite émission comme ça. Ça y est, tu reprends les rênes d'animateur. Eh hein. Oui, une autre couche cette année. Ça se passe où cette année? Toujours à Cannes. D'accord. Toujours à Cannes, c'est cette année encore un plateau de folie, 50 Cent, Shakira, Robbie Williams, Ricky Martin, Coldplay, Raphaël, Johnny Hallyday, lequel était le, allez, lequel Madonna. Était le plus sympa depuis que tu présentes cette émission, lequel était le plus sympa de tous ceux que tu as vus? Parce qu'ils viennent assez rapidement. Le plus sympa, c'était Seal. Ouais. Seal, mais adorable. Le moins sympa. Ouais, oh, il a toujours un hein, qui est. Le plus difficile un peu à plus gérer. Tard, un peu plus difficile, on peut mettre ça sous le compte du stress. Celui qui était assez froid, ça a été Mick Jagger. Ah. Mick Jagger. Bah, attends, mais en même temps, j'ai fait peur. Il n'est pas venu à la répète l'après-midi. Il y a quelqu'un de son personnel qui est venu faire la chanson à sa place pour les déplacements. Et à la fin de la chanson, je lui ai sauté dessus. J'ai fait Mick, Mick, I love you, baby, Mick, my baby. Donc il a eu peur et je pense qu'il est allé dire à Mick, attention, l'animateur est fou, il va te sauter dessus, il va te violer. Et il y a un homme de couleur qui voilà. Peut faire peur, attention. Donc, il a dit tout de suite après, il a appelé la prod, il a dit bon, je veux personne dans les coulisses quand je reviens et quand, après la chanson, je veux que l'animateur reste à 50 mètres de moi. Il a fait...
Il est parti en courant. Des petites choses, Cécile, sur Anthony? Oui, sur Chicago, tout au début de la comédie musicale. En fait, à un moment donné, vous devez rentrer sur scène et visiblement, vous avez autre chose à faire de plus intéressant. Oui, c'était dans les premières représentations. Ma copine qui vivait en France est arrivée à Montréal parce qu'on a commencé Chicago à Montréal et elle est venue me rendre visite dans les coulisses à l'entracte et j'ai oublié le spectacle. C'est-à-dire? Et le spectacle a recommencé, la deuxième partie du spectacle. Anthony, c'est à toi. Ah oui. Voilà. Oh. Anthony, non, mais je suis là. Mais j'ai oublié le spectacle. Donc, mais qu'est-ce que vous faisiez pour j'ai manqué la première scène. J'étais pas sur scène, donc... Il roulait des pelles. On entendait... Ah, c'était... Je c'était... t'aime. À toi, quand tu roules des pelles, c'est à ce point-là. Mm. Ah oui, c'était... Ah oui, t'en oublies un... Ah, faut pas se maquiller, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui, ça fait tout en même temps. Comment va Alexandra? Elle va très très bien. Elle va très bien? Très bien. Toujours aussi belle? Toujours aussi belle. Est-ce que c'est pour elle que t'as écrit une chanson qui s'appelle Sexy? Non, Ton homme. Une chanson qui s'appelle Ton homme. C'est elle qui m'a inspiré cette chanson-là. Effectivement, je voulais lui écrire quelque chose, donc ça reste gravé pour toujours, et puis voilà. C'est ton homme. C'est beau d'écrire une chanson, ça doit péter la place. Ça. Tiens, chérie, je t'ai écrit une chanson. Mm. Tiens, écoutons quelques extraits de l'album d'Anthony Cavana. Écoutons. Je me sens devenu un Et quand on rajoute les images, voici l'un des titres qui est extrait de l'album d'Anthony Cavana. Ça s'appelle « J'ai vu partir ». Regardez, écoutez chez vous la maison. Charlot, très beau. Ça, c'est bon, ça. C'est très, très beau. J'ai vu partir mes enfants partir, si loin partir. J'ai vu partir mes enfants partir, au loin souffrir. J'ai vu partir mes enfants partir, si loin partir. C'est les musiques que l'on trouvera dans Les Démons de l'Archange, c'est-à-dire que c'est un spectacle à la fois musical, tu gardes ton côté humoriste. C'est un one-man show, donc je rassure les gens parce que souvent on me demande, est-ce que tu vas faire rire encore? Oui, il y a des sketchs. Mais vous faire chialer. Tu ne me dis pas que tu vas chanter seulement, non. C'est un one-man show, c'est une comédie musicale et c'est un concert. C'est l'histoire. L'album est très bien, bravo. C'est l'histoire d'un archange, c'est ça, qui redescend sur Terre. C'est un archange, en fait, qui déteste les hommes. Qui veut détruire la Terre, en fait, et l'humanité. Et Dieu lui dit, avant de juger quelqu'un, va marcher dans ses chaussures. Tu es Dieu ou tu es l'archange? Je suis l'archange. T'as raison, autant pas veiller trop haut d'un coup. Et il descend sur Terre, réalise que sur Terre, les humains vénèrent les stars comme des dieux. Donc, il devient une rockstar et tombe dans tous les travers de l'humanité, les 675 péchés capitaux. Les filles, l'argent, la drogue. La totale. Est-ce que t'as connu tout ça, toi? La totale. Et toi, c'est de la fiction. Oui, mais justement, toi qui es devenu une star aussi, et quand ça arrive et ça devient très fort et on tombe dans tous les travers, t'es tombé dans les travers, toi, ou pas? Non, mais je suis pas dans les extrêmes. Je fais pas d'excès, je suis pas un mec à excès. Donc les filles, quand même. Il les a pas que frôlées, les filles, je pense. Hein. On a vécu, disons que j'ai vécu. Alors justement, ça s'appelle Les Démons de l'Archange. Est-ce que tu as déjà eu le démon du jeu? Non. Le démon des sorties? Oui, à une époque, oui. Le démon de l'infidélité? Non plus. Le démon de la... Une fois. Ah. Une fois, oui. Oui, une fois. C'est vrai. Une fois? Une fois, oui. Et elle le sait? Maintenant, oui. Le démon... Elle le sait, oui, elle le sait maintenant. Le démon de la boisson. Est-ce que tu as déjà connu le démon de je couche le premier soir? Oui. Il est sympa aussi des fois celui-là. Hein. Celui-là ça, c'est plus masculin. On a du mal à résister à celui-là. Oh, ça va, les filles aussi, des fois vous couchez le premier soir. Pas souvent. Lydia, je ne te poserai pas cette question, non. Ça c'est la première minute, mais ça ne compte pas. D'accord. C'est ton métier. C'est ton métier. Très peu de filles couchent le premier soir. Ouais. Suite, ça t'est jamais arrivé? Jamais. Jamais? À jamais. Ça t'est jamais arrivé? Jennifer? Jamais. Jamais? Premier après-midi peut-être. Vous non plus? Ouah, toi. Jamais. Arrête. Jamais? Jamais le premier soir. Jamais moi. Jamais de là-bas ou quoi? Et si jamais, par exemple, le soir, par exemple, j'arrive le premier soir, j'arrive, je vous fais un gros, on boit juste un verre, je vous pose un gros lapin et je viens directement le deuxième soir. Mais t'as perdu le sens du commun ou quoi? Ça marche, on couchera le deuxième soir comme le deuxième soir. Si c'est arrivé le deuxième soir. Le deuxième jamais. Soir. Le troisième. Jamais. Jennifer, c'est quoi? Non. Quel nombre de soirs?
Troisième soir. Au moins le troisième soir. Ah bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais pas être là les deux premiers, j'arriverai directement au troisième. Ouais, non, mais alors là, moi, c'est après, quand t'arriveras, je serai plus là. Oh bah voilà, évidemment. Bah ouais. Mais après, c'est bien trop tard. Mais le premier soir, c'est un truc qui se fait souvent quand même. Non, non. T'as déjà eu le démon de la luxure moyennant de l'argent? Non. Il n'y a pas assez d'argent sur cette terre. Faites-moi l'amour, non. Juste une soirée. Non, merci. J'ai 87 ans, ça va pas. Non, non, ça va. Est-ce que tu as déjà eu le démon de pneus? Oh, oh, clic. Ouais, ouais. Oh, j'ai même pas osé le faire. Est-ce que tu l'as déjà eu? Oh oui. Oui, tout à fait. Oui, le démon de pneus. Tous les soirs. Je vois bien. Anthony Cavana, à ne pas rater donc dans les démons de l'archange. Oh merde, les j'ai tout fait tomber, je suis allé un petit peu vite. Les démons de l'archange, donc à ne pas rater, je dis au Grand Rex de Paris, du 24 janvier au 5 février, et le 23 janvier, il y a l'album d'Anthony Cavana. Avant de partir, Seb, je sais que t'as fait pas mal d'excès pendant les fêtes. Non, attends, que t'es au régime là en ce moment, je sais, je regarde ta silhouette, t'es au régime. Ça se voit un peu ou pas? J'espère que t'es au régime. Non. Wouh, yeah, baby! Et donc? Non, je t'ai préparé un petit quelque chose de light. Ah, cool. Petite galette des rois light. Comment une galette des rois? Une galette des rois light, c'est pas light déjà, une galette des rois. Mais moi, c'est une version light. Une pour moi? Petite, un petit truc simple, tout simple. C'est cool. Parce que je sais que t'es au régime, donc je sais que t'en aurais pas mangé normalement. Bah, je sais pas, allez où? Voilà. Allez, faites... Faites entrer ma galette des rois. C'est pour moi, c'est la version. C'est pour toi. Et en fait, c'est pas une fève, c'est un kiwi qu'on a caché là-dedans. C'est un kiwi. Est-ce que tu as vu la taille des parts? C'est une voiture sans permis qui se trouve à l'intérieur. Mais vous avez vu la taille des parts? Je tiens à dire que... Ah, je finirai tout, hein. Ah, je finirai ma part, hein. Ah, je tiens à vous le dire, hein. Donc... Oh. Le kiwi. Non. Vous savez, comme dans les familles, à chaque fois, la famille, quand vous avez la fève, vous dites toujours « montre ». Et les gens, avec la langue, ils essaient de nettoyer la fève pendant 5 minutes. Ils sont « attends ». Eh ben, je ne la nettoierai pas. Voilà. Ah. Mais je vous jure, elle est en dessous. Yes. Oh, oh. C'est qui, le roi? Alors, Beto, c'est qui, c'est le roi? Hein? Alors... Merci. Merci, les gars. Je vous en prie. Ne cassez pas ma galette, hein. Ne me cassez pas ma galette. Il y en aura pour tout le monde, après. Oh, je vous demande de faire un triomphe à Anthony Cavana, ne pas rater l'album. Choisis pas une reine? Si. Eh ben, maintenant qu'on a tiré les rois, on va bourrer les reines? Non, je déconne, Lydia. Lydia, si on peut plus déconner. Vous avez jamais fait encore de film qui s'appellerait Vas-y, prends-moi sur ton trône, machin non, et tout. Non. Fais-moi l'amour avec ton sceptre. Non plus. Non, non. Eh bien, c'est le moment d'innover. Je vous demande de faire un triomphe, s'il vous plaît. Lydia Saint-Martin, venez, Lydia, venez. Je suis les petits bouts de galette, les restes. Eh oui, on a fait tous le même signe, mais nous, moi, c'est de la galette. Alors, bisous. Oh, bonne année. Bonne année à vous aussi, je vous en prie. Installez-vous. Alors, Lydia. Oui. Lydia, alors là, on en parlait depuis tout à l'heure, vous êtes actrice porno depuis un an et demi. Oui. Ah, il est content, là, c'est son dossier. Bon, pourquoi Lydia Saint-Martin? Saint-Martin par rapport à l'équitation. Il s'en marche. Attention, il y aura une question petite. Intelligente. Hein. D'accord. Est-ce que vous aimez qu'on vous monte dessus? Voilà, c'est la question. Ça dépend. Non, mais c'est même celle-là, elle soit intelligente. Oui, je suis cavalière en fait. D'accord. Cavalière depuis que je suis toute petite, donc passionnée par l'équitation, donc Saint-Martin pour ce côté-là, et puis aussi pour le côté un petit peu français, pour
D'accord. Pour rappeler. Mais alors Lydia, ce que je ne savais pas, c'est que vous étiez donc avant, moi je l'ai appris en préparant cette émission, prof d'anglais, donc une prof d'anglais comme j'en ai jamais eu. Oui. Sûr ? Est-ce qu'il reste encore des connaissances ? Il reste des connaissances, mais en fait, c'est passé de l'anglais scolaire à l'anglais sexuel. Ah, yes, maintenant c'est. Ah oui, c'est passé de Where is the ball ? The ball is in the garden, à Fuck me in the garden. Ok, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est, ah oui, c'est pas la même chose de traduction. Donc, en fait, c'est plus la langue entre le palais et les dents. Non, elle est sortie maintenant. Qu'est-ce qui est sorti ? La langue. La langue. Maintenant c'est deux. Maintenant c'est même. Voilà, ça, ah, ça a changé. Pareil. Mais j'ai étudié les langues à l'école, donc finalement ça m'est resté. Comment on bascule du côté obscur ? C'est-à-dire comment on passe de prof à actrice porno ? Parce que c'est pas le chemin que font tous les professeurs qui nous déjà regardent. Déjà prof, ils avaient quel âge ? Les élèves avaient entre 12 et 15 ans, mais c'était très sympa puisqu'en fait les sixièmes apprenaient deux langues dès la sixième, donc ils étaient assez. Déjà un petit peu au-dessus des autres au niveau du scolaire, donc c'était. Mais d'où vous est venue cette passion, ce zombie pour le X ? Comment on arrive là ? J'étais sûre. On va dire que quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai commencé à regarder des films porno. Oh, c'est pas bien, faut attendre 18 ans. Mais vous les trouviez où ? Alors certainement pas chez mes parents, mais il se trouve qu'il y avait des copains de l'école qui avaient récupéré des cassettes porno par le grand frère. Ouais, c'est toujours comme ça. Et je m'identifiais pas du tout aux actrices ou autres, mais ça m'excitait. Et puis après, ça m'a pris comme une crise. J'ai décidé de devenir actrice porno. Et le premier film, c'était quel âge ? J'avais 26 ans et demi. Ah, le premier film ? Oui. Ah oui, c'est passé du temps alors entre le fantasme. Oui, bah un an et demi. Eh bien, vous étiez ancienne prof d'anglais, nous avons une bonne nouvelle, nous avons retrouvé certains de vos élèves. Eh oui. Ils sont là-bas, ils sont dans du côté des loges. Les jeunes, vous m'entendez ? Je te dis les mains. Allô ? Salut les gars ! Hey ! Bonsoir. Bonsoir. Ça va les gars ? Ça va bien ? Bonsoir. Ça va, est-ce que vous vous en souvenez de votre prof ? Ah bah évidemment, comment l'oublier ? On avait madame Groderche aussi en même temps, c'était la prof d'histoire géo, je peux dire, c'était pas la même limonade. Hein. Elle était pas sympa, elle était pas sympa. Elle était pas cool. Et nous, c'est un peu que, quand vous on avez... dire, c'est un peu comme si c'était hier, hein, tous ces cours d'anglais. Ça nous rappelle des souvenirs, les premiers cours d'anglais. Justement. Tu te souviens ? Justement, elle vous a appris l'anglais quand même. Oui, ah oui, bien sûr, on a appris plein de trucs. Vous voulez qu'on vous montre ? Enfin, non, on se souvient des premières leçons. Bien sûr. De l'époque, ça faisait... Where is dad? Ouais. Dad is the kitchen. Is in the kitchen. D'accord. Where is mom? Mom is fucking with dad in the kitchen. Oh. Non, c'était. Ah si, c'était ça. Ah si, à l'époque c'était ça. Après il y avait Where is the umbrella? Dad is fucking mom with the umbrella. Après il y avait Where is the dog? Ah, the dog is fucking with the cat, mom and dad in the kitchen and he's making blowjob to the mommy. Yeah. Is that a cum shot? Quoi? Yeah, cum shot. Yeah, yeah, yeah. Yeah, over. No. Yeah, yeah. Non, je pense que ce n'est pas possible. Ça n'était pas possible. Non. And do you know the story of the ping pong show? Ping pong show. Non. Ping pong show. Je vois pas non plus. À bientôt. En tout cas, vous nous en reparlerez. Merci. Bye. Alors, combien de films en tout ? 70 scènes. Ça doit faire à peu près 55 films, puisqu'on peut avoir une ou deux scènes dans le film. Bon, tu tournes où en gros ? En France, beaucoup ? Dans quel pays ? En France, à l'étranger, ça dépend. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des récompenses jusque-là ? Parce que je sais que généralement dans le monde du X, c'est comme les Césars en France. Il y a des récompenses. Hein. Il y a eu un award à Bruxelles pour un meilleur second rôle l'an dernier. Ah oui. Et c'était pas du tout attendu en fait. C'était meilleur second surprise. Rôle, c'est comme chez nous. Est-ce qu'il y a le mec qui on récompense l'éclairage, la musique Non. En fait, on va récompenser par catégorie. Mais les cascades Non. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas ? Oui, tout à fait. Ah. Tout ce qui est urologie, scatologie, relations SM, zoophilie, bien évidemment. Évidemment. Et également quelque chose qui ne me plaît pas du tout, le fist. D'accord. Et forcément, le fisc, les impôts, oh là là, les impôts. Non, j'ai pas dit les impôts. Oui, oh là là, j'ai compris. Vous vous protégez, bien sûr. Les impôts, on a plein de cours, des fois. Je me protège à chaque rapport et on va refaire passer le message à nouveau. Mettre des préservatifs. Protégez-vous et le préservatif, c'est marrant. On peut faire plein de choses avec. Ça, c'est vrai en plus. On en profite entre deux rigolades, mais mettez des préservatifs, vous qui nous regardez. Enfin, pas forcément maintenant, c'est pas une façon. Si vous êtes en train de faire le café, mettez pas maintenant. Mais, quoi, il a dit qu'il fallait mettre un préservatif, je le mets. Non, mais quand vous faites l'amour, mettez des préservatifs parce que. Bah, il pleut dehors. Non, mais Lydia a raison. En plus, maintenant, ils deviennent de plus en plus rigolos. Mm. Avant, c'était un peu austère. Maintenant, il y a tous les goûts, tous les parfums, toutes les textures, les retardants. Ils sont tout fins. Il y a ta taille surtout maintenant, c'est ça qui est bien. Et maintenant, ils ont fait les XXL pour moi, donc je suis vraiment. Très bon, très bon. Vous avez une vie de famille ou pas ? Une vie de famille, pas tout à fait en fait. J'ai des aventures amoureuses, mais pas vraiment. Vous n'avez pas de mari, pas d'enfant, non. Pas de. Voilà. J'ai un chien. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Non, on a dit on fait pas. Non, surtout est-ce que, pas. Est-ce que je peux vous demander si c'est bien payé et combien c'est payé ? Parce que c'est vrai qu'on en parle rarement et.
combien ça coûte, enfin combien c'est... Un bon film, 20 euros. Non. Bah, ah pardon. Je sais pas, ça peut démarrer à 500 euros, ça peut aller jusqu'à 1200, ça dépend des filles, ça dépend... Ah ouais, sachant qu'une scène peut durer jusqu'à 6 heures ou 10 heures... 6 heures, c'est énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on est sur des films dits scénarisés, on a aussi de la comédie qui est payée à part. Scénarisé, ça c'est des trucs où on écrit des histoires précise, qui servent à rien. Voilà, ouais, mais je précise quand même, on ne se prétend pas en tant qu'actrice X, comédienne par rapport à du texte ou quoi mieux. Que ce soit, parce que souvent c'est plutôt risible qu'autre chose. Mais il faut cette petite introduction pour que la personne qui aime le film scénarisé. Il y a ce mot introduction pour. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un truc? Pourquoi, quand on regarde un film porno, à chaque fois que nous les garçons, bon, moi j'en regarde rarement, hein, mais à chaque fois que. À chaque fois que nous, bon, bah, on regarde, on est dans l'action, on est en pleine. On regarde, hein, ça peut exciter, des fois ça peut être sympa. Et bah pourquoi, à un moment donné, au moment où le monsieur va venir dans la scène, pourquoi le réalisateur il fait toujours un gros plan de 30 secondes sur le type qui est en train de jouir? Parce que c'est totalement laid, un homme, hein. C'est-à-dire que nous, on est là, on est comme ça, on fait ah, et d'un seul coup, on voit le type en gros plan qui fait il a doublé des gens. Oui, j'en ai beaucoup vu, c'est pour ça. Alors, comme vous êtes fan aussi d'équitation, voici des questions très rapidement. Je vous demande de poser des questions. Vous allez me dire si vous donnez des termes. Vous allez me dire si c'est un terme d'équitation ou un terme dans votre profession. Mm-hmm. En clair, porno ou chevaux? D'accord. Grimper à sec. Ce serait plutôt porno parce plutôt, que l'équitation, ouais. Je connais pas. Contact avec la bouche. Équitation. Absolument. Le c'est mort. Garder un contact constant, un contact moelleux. Monter comme une queue de cheval. Monter comme une queue de cheval. Porno ou chevaux? Porno. Oui, porno, oui. Entraîneur. Équitation. Bien sûr. Entraîneuse. Porno. Bien sûr. Passer la langue. On peut passer la langue par-dessus le mort, ça peut être équitation. Absolument, c'est équitation. Ping-pong show. Ah, ça c'est Koé. Oui, absolument, c'est moi. Faire venir réparer le photocopieur. Porno. C'est porno tout ça, absolument, porno. Absolument. Alors, avant de nous quitter... Et, là, et vous êtes hétéro ou bi? Vous êtes quoi? Je suis bi. D'accord. Mais plus hétéro que bi, ça c'est sûr. D'accord, bah écoutez, ça le mérite d'être clair. On me dit en régie que vous avez une petite surprise que vous m'avez... Oui, normalement c'est des petites images avec un petit orgasme. Vous savez qu'on n'a pas le droit... Non, on n'a pas le droit à la télé à cette heure-là. On n'a pas le droit à cette heure-là. Non. Mais on est habillé. Hein. Ah, ah. Un orgasme c'est habillé. C'est ce qu'on appelle le dédié orgasme. Ah bon. Ça peut fait partie regarder. De l'actualité. Eh ben allons-y, hop, bah, hop, hop, on y va. Faut être coché. Orgasme. Joue de la comédie, oh là là. Allez, les... Quoi? Et tout ça sans les toucher, vous imaginez un peu? Ouais, ça fonctionne. Hein. J'étais comme ça, j'étais dans mon studio, j'étais comme ça. Oh oui, Koé. Je peux en mettre un coup, juste deux secondes pour voir. juste pour voir si ça marche toujours. Koé, oui. Oui. Comme dans les choristes, celle de milieu un petit peu plus fort. Celle de droite. Oui. À gauche un peu plus. Celle de droite, on ne vous entend pas, mademoiselle. On ne vous entend pas. Non, à droite, on ne vous entend jamais. Oui, très bien. C'était, je sais, très bien, très belle fin, c'est tellement bon. Allez, vous pouvez rentrer chez vous, merci. Ben, merci, à ton bien. Hein. Mais bon. Pour rien vous cacher, ça m'est déjà arrivé de rencontrer une des gens qui me défient, qui me dit ça quand même. Bon, ça va. Non, mais ça m'est quand même arrivé, j'en ai pas vu. Oui, Koé, barre-toi. t'as pas un truc à faire. Allez, je demande d'applaudir Lydia, s'il vous plaît. Lydia Saint-Martin. À bientôt. À bientôt. Je vous en prie. Et il fallait remercier Lydia qui est avec nous, Anthony Cavala. Il y avait Salma Hayek et Pénélope Cruz. On ne bouge plus. Allez, bonne soirée sur TF1. Ça, c'est pour moi. La semaine prochaine, merci, au revoir.